I want to get my own mansion. I need to secure my own mansion. I want to get my own mansion. I need to secure my own mansion. I know they shake. I know they fear. I know they para, cause I get up arima. I know they shake. I know they para. Agatha, pourquoi tu ne peux pas? Agatha, s'il te plaît, écoute-moi. Laisse-moi le prier. Écoute-moi d'abord. Tu viens à peine d'arriver. Il y a beaucoup à faire et non directement aller prier. Hein? Tu sais ce que nous allons faire. Attends, laisse-moi partir en premier, essayer un peu de vérifier qu'est-ce qui se passe et puis... Et dès que je serai de retour, je vais te dire, tu vas aller prier. As-tu peur? Agatha, je vais pas perdre d'eux, hein? Je vais pas perdre ces villageois. Je m'en vais pour prier. Je peux pas rester dans ces villages et non prier, mon Dieu. Agatha, écoute-moi. Je suis ta grande sœur. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. S'il te plaît, laisse-moi aller en premier et puis je viendrai te dire, s'il te plaît. S'il te plaît, Biko. S'il te plaît. Ok. Merci. De pêche. Va à l'intérieur, je m'en vais. Merci. Seigneur, tu as dit dans ta Bible que tu ne vas jamais m'abandonner. J'ai confiance en toi. À jamais. Agatha? Oui, ma sœur. Je vais aller à mon shop parce qu'il y a quelques clients qui viennent de m'appeler. Je reviens. Moi, je me sens pas vraiment bien. Oui, mes articulations me font un peu mal et puis je me sens pas vraiment fort. Mais ça va aller. Es-tu sûre que ça va aller? Laisse-moi aller te trouver un médicament. Les médicaments? Non, non, ne me cherche pas les médicaments. Je vais pas prendre tout ce que vous partez prendre là, comment on appelle encore, au royaume là et tout. Moi, je vais pas prendre ça. Pourquoi tu t'es fait trop des idées? Si tu prends les médicaments, tu vas te sentir mieux. Mon Dieu me garde. Jésus-Christ me protège. Rien ne va m'arriver. Amen. Ce que je dois faire, c'est prier. Ok, d'accord. Laisse-moi partir. Tu n'as qu'à partir. Je reviens plus tard. Pas de problème. Rien ne va m'arriver. Ok, Tu avais fini la nourriture? Regarde là-bas, il y a quelque chose. Agatha? Agatha? Agatha, qu'est-ce qui t'arrive? Agatha? Agatha, parle-moi s'il te plaît. Agatha? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Agatha, parle-moi, non, parle-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Agatha? Hé! Hey. Tu veux de l'eau? Ah, dis-moi, un peu d'eau. Maman décroche. Maman décroche. Maman, écoute-moi. Agatha tremble. Je ne sais quoi faire avec elle, maman. Oui, maman. Je ne sais quoi faire. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh, maman, je ne sais quoi faire. Agatha, Agatha. Maman, tu dois rentrer, maman. Je ne sais quoi faire avec elle, maman. Agatha. Attends, mon talent. Je vais chercher de l'eau à boire. Attends. Oh, Seigneur, occupe-toi de moi. J'ai confiance.
Qu'est-ce qui s'est passé? Uche, je t'ai informé que le jeune de ce village s'est préparé pour attaquer Agatha. C'est pourquoi je l'ai emmené en ville. Et tu as amené Agatha à la cité sans me dire pourquoi? Uche, je suis désolée, s'il te plaît. Écoute, Ucheka, être désolée n'est pas la solution maintenant. Le comble, c'est que tu ailles chercher où ta sœur se trouve. Et ce n'est qu'après que tu viendras tout expliquer à Ichie. Comment est-ce que le staff de Umudike, s'il te plaît? Ichie, je reviens avec Agatha. Oui. Hey, ça, c'est bien. Mais... Mais quoi? Agatha est sérieusement malade, Ichie. Elle est malade. Oui. Agatha est malade? Oui, Ichie. Je ne sais quoi faire. Chika, c'est quoi la nature de cette maladie? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as encore fait, ma chérie? C'est quoi ton problème? La calamité ne fait que commencer. Mais où est-elle maintenant? Allons-y. Ichie, regarde ma soeur. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et sois franche, dis-moi vrai. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ichie, c'est toujours comme ça tous les jours, je ne sais quoi faire. Je ne veux pas que ma soeur meure, s'il te plaît, fais quelque chose. Tu ne veux pas qu'elle meure? Et donc, tu es en train de parler de ta sœur têtue ici? Cette femme qui n'écoute personne, qu'en sera-t-il des hommes royaux? Et qu'est-ce qui va leur arriver? Voyez-vous, maintenant, les problèmes pouvaient être résolus facilement si ta sœur n'était pas têtue. Et quand Adassa a parlé, tu étais là, mais t'avais refusé d'obéir. Et ce n'est qu'à ce genre de choses que l'entêtement peut amener. Et j'espère que ta maman est au courant de ce qui se passe ici. Mais je ne sais pas. J'attends ma mère. Agatha. Et toi, méfie d'aller la toucher. Mais qui me dit que moi je passe? Mais s'il te plaît, viens aider ma soeur. Agatha. Regarde. Prends tes distances d'elle. Il est fidèle. Il m'a fait du bien, mon Jésus. Agatha. Ichie. Monsieur. Je pensais que les dieux t'avaient emporté avec une maladie incurable. Comment es-tu ici en train de chanter et danser? Oncle, Dieu est tellement merveilleux. Il est bon pour moi et ma famille. Ichele, Uju. Quand le grand pouvoir arrive, le petit esprit là disparaisse d'eux-mêmes. Avant même qu'ils ne quittent, fiaou, ils vont disparaître. Uju, tu es de retour. Oui, oh, je suis de retour. Je suis venu remettre les choses en ordre comme je l'ai toujours voulu, comme je l'ai toujours fait. Oui. Agatha. Oui. S'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser parler avec ta maman? Non, mon oncle, je peux pas... Agui, ma chérie, c'est pas un problème. Donne-lui juste la chaise, il va s'asseoir. Tu as compris? Obalima! Ima! Obala! Ima non est Ima non est Ima non est pas. Mets-toi. Uju. Non. Ichie. S'il te plaît, explique-moi. Et qu'est-ce que tu veux exactement dire quand le grand pouvoir arrive, le plus petit là se dissipe? Ichie Ize, la grande puissance, notre puissance, est plus grande que Unozo, qui est petit comme ça.
même les petits enfants vont courir. Quand la grande puissance viendra, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces petits dieux qui sortent de gauche à droite vont tous disparaître comme si de rien n'était. Oujo, es-tu en train de me dire que tu possèdes ce pouvoir? Est-ce donc ce même pouvoir que Gloria Gata? Oui, oh! Je me suis même pas battu contre eux. Fia, 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 ils ont tous comme la souris. Fia! Oujo, comment est-ce que je peux posséder ces pouvoirs? Je veux avoir ce pouvoir. J'en vais, je te donnerai tout ce que je veux. Chese, tu ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas. Obara, Emma. Obarima. 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 Oujo, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Comment est-ce que je ne peux pas en avoir du moment où tu en as? Moi, n'ai pas en avoir. Pourquoi? C'est que tous ceux-là qui possèdent ces pouvoirs, Obarima, ce sera la seule personne. C'est celle qui va t'initier. Oui. Mais Oujo, je suis prêt. C'est quoi le prix? Où est cette personne auprès de qui j'aurai ces pouvoirs? Tu es sérieux? Oui. Comme tu me vois là, je possède le pouvoir. Hey, Jimia! Obara, Emma! Obarima! 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 Emma, je possède ces pouvoirs. Je le possède. Et qu'est-ce qu'on attend? Donne-les-moi, non? Initie-moi. Uchese. T'en veux vraiment? Mais je t'ai dit. Tu es sûr? Oui. Tu ne vas pas fuir. Pourquoi? Pas de problème. Oujo, je suis prêt à avoir ce pouvoir. Peu importe ce que ça m'écoutera, je paierai. Dis-moi tout ce que tu veux, je vais te le rendre. Tout ce que tu veux. Tu es sûr? Je suis sûr. Ichese, tu es sûr? Oui. Tu ne vas pas fuir? Je ne le ferai pas. Ok. Ichese, si seulement tu me remettais cette terre-là de mon mari, qu'on te va arracher à Inikwe. Inikwe? Et ça sera fait. Et est-ce tout? Oui. Juste ces terrains? Mais considère que c'est fait. Pas sois plus. Sois calme. Je te les rends. C'est pour toi. Pas plus, considère pas que moins. C'est déjà fait. Ce terrain maintenant tient. Ok. Et quand est-ce que nous allons passer les affaires? Quand nous allons signer l'accord. La décharge de quoi? De nous rendre notre terre. Et cela sera fait. Mais cherche un jour. Trouve un jour qu'on fasse ça. C'est toi qui dois mettre ce soir. Je suis prête à le signer ce Donc soir. Donc tu en veux vraiment? Et qu'est-ce qu'il y a de grave là? Donne-moi juste ça. Obarima! 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 Tu apprends? J'apprends déjà. J'en ai vraiment besoin. Tu es facile à enseigner. Oui. T'en fais pas. Ok. Cet après-midi. Je t'ai dit ce soir. Pourquoi est-ce que je vais te mentir? Oui, c'est okay, ce soir. Ok, cet après-midi. Reviens l'après-midi. Après la cérémonie de... Quand je vais signer. On se met d'accord. Tu nous les donnes. Il n'y a pas de problème. Hein. Et comme ça, demain, on va faire l'initiation. J'ai signé déjà. Et demain, je vais t'initier. Non, mais pourquoi est-ce que ça traîne? Pourquoi ne pas signer directement et commencer l'initiation? Les choses se font graduellement. D'accord. On ne peut pas faire ça et puis on fait encore une autre chose, non. On doit d'abord signer l'accord de papier. Et tu rentres chez toi, t'es reposé. Demain, tu reviens pour l'initiation. C'est vrai. Obarima! 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 Ima non eba, ima, ima non eba. Et je commence déjà à retenir les pas. Quand je dis Obarima, tu dis Emma. Obarima. Ima. Obarima. Ima. Obarima. Ima. Je peux voir que tu apprends. Tu apprends. Oui, ça va aller. Tu seras aussi initié. Après ça, tu verras ce qui va t'arriver. Et Bourguia? L'initiation va se faire et puis tu verras comment tu vas devenir. J'ai convoqué cette réunion parce que parfois dans la vie, nous devons nous passer de nos anciennes erreurs et actes. Et pour la petite vérité, j'avais prêté beaucoup d'argent à mon frère défunt et pour acheter le terrain qui est à Inukwe. Avant de mourir, il avait déjà remboursé le 80% de cet argent. Restons avec le 20%. Mais à cause de la mauvaise habitude de notre famille de ne jamais payer les 20% de dette, j'ai dû récupérer de force cette terre qu'il avait dû acheter.
Mais après lui avoir donné une bonne leçon, j'ai enfin décidé de leur restituer ce terrain. Je vous ai tous appelés ici pour que vous soyez des témoins. Que, aujourd'hui, j'ai dû restituer le terrain à cette dame. Non, ça ne marchera pas. Vous savez très bien que j'ai des intentions pour ce terrain. Tu dis quoi? Non, tu dis quoi? Et puis je... Mais attends là, tu es fou? Et même si je t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Chica. C'est assez. C'est quoi le problème? Sois calme. Non mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas je ne vais pas te... Ok, non. C'est quoi ton problème? Uche. Hein? Tu es ici comme un témoin. C'est simple. J'ai voulu que tu sois ici. Et que tu en sois le témoin pour que demain il n'y ait pas de problème entre vous et ses enfants. Et tu comprends ça? Et quand je ne serai plus là, tu seras là pour témoigner que je leur avais restitué ce terrain. J'ai beaucoup d'autres terrains où tu peux construire, hein? Dois-tu seulement construire ici? Prends, tu vas signer. Arrête de beaucoup parler. Il faut juste signer. Je crois que le problème sera facilement résolu. Oui, c'est vraiment là. Inkena, tu dois venir signer ici. Le témoin doit signer comme témoin. Oui, ça c'est bien, tout est fini. Obarima. Obarima. Uche, merci, merci beaucoup. Merci, c'est bien. Merci. C'est comme ça que les affaires oui, doivent marcher. Oui, c'est ça, merci. C'est bon. D'accord, demain, on peut aller. Mais, hein, toi reviens demain. D'accord. Comme ça, on va faire notre affaire. On y va alors. N'oublie pas, il faut toujours prier. Regardez-les. Regardez comment il part. Son fils là est fou. Ferme-moi cette bouche. Hein? Est-ce que tu dois te battre pour ça? Maman. Amara. Emma. Mia Koba, my mansion, oh, my heavenly mansion, with Obarima. I cover my life, I cover my family, with Obarima. Mia Koba, my mansion, oh, my heavenly mansion. Hey, Iche, je n'ai jamais su que tu aimais les fétiches. Yeah. Oh Dieu, c'est quoi le problème avec ce pouvoir? Hein? Oui, nous partons, mais comment est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'il faut encore aller à des rituels un peu compliqués? Non, Iche, garde tout ça. L'initiation, c'est aujourd'hui et maintenant. Où? Oui, non, dans cette parcelle. À cet endroit ouvert? Oui, non. Un combat naturel, il n'y a rien dans ça. Oui. Agi! Maman! Agi de moi! Maman, oh. Viens, oh. Mais pourquoi tu l'appelles? Je pensais que cela devrait se faire entre nous deux. Sois calme, ça va bien se passer. Oui. Je pensais qu'on serait ailleurs. Tu as accepté que tu veux commencer à te battre. Alors, c'est maintenant qu'on doit t'initier. Le tout doit se passer. Oui, Ichese attend d'être initié. Fais-le. Ichese. Fais-le. Es-tu sûr que tu es prêt pour tout Je suis vraiment prêt pour ça. Tu es vraiment sûr? Même si ça doit m'écouter la vie. Ok. Avant d'abord de tout commencer, tu dois d'abord joindre tes mains comme ça. Mes mains? Ouais. Et tu dois les frapper comme ça. Hein? Non, tu n'as pas bien saisi. Agi, arrête ça, non? Ne lui donne pas toute cette peine-là. Vas-y directement. Non, je vois qu'il n'est pas encore prêt. Je suis prêt, mais on y va petit à petit et graduellement, on va finir. Quoi? Juste un petit? J'ai vraiment besoin de ces pouvoirs, le plus puissant même. C'est ce que nous sommes en train de dire, non? On n'ira pas directement au fond. On va faire petit à petit. Les graduels. Jusqu'à ce que tu arrives au grand J'ai niveau. J'ai vraiment besoin du grand pouvoir. Petit à petit. Oui. Tapez le main. Maman, debout, montre-lui comment taper. Emma. Obara. Emma. Obarima. Emma. Obarima. Emma. Obarima. Emma. J'entends Dieu me parler. Parle. Maman, Dieu me dit quelque chose à propos de Jésus. Il dit, s'il veut avoir les pouvoirs qu'il cherche, il doit faire quelque chose.
Il doit mettre ses pieds en l'air. Et puis, hein, tu dis quoi? Oui, mettre ses pieds en l'air. Tourner beaucoup de fois par terre. C'est alors qu'il aura ses pouvoirs. Ok. C'est tout. Oncle, voilà ce que tu dois faire. Ojo, c'est quel genre de folie ça? Et comment est-ce que moi utiliser et faire toutes ces choses? Bon, est-ce une c'est aventure? Pas, c'est lui qui l'a dit. Et non, nous. Oncle, regarde. Quand tu veux que l'ange de Dieu vienne pour te bénir, tu dois faire tout ce qu'il demande, sinon il va rentrer. Et toi, Oudjou. Donc vous m'avez amené ici pour m'insulter. Et là, vous voulez me caricaturer. Pourquoi ça? Itché, je ressemble à une femme fétichère. Hein? Cette place aussi. Ce que je fais, c'est Jésus. Je parle de Jésus. Je ne fais rien du tout si ce n'est Jésus. Voilà pourquoi je t'ai appelé que tu viennes aujourd'hui pour que nous battions en prière. Voilà. Je suis sûr que tu as compris les recommandations. Oudjou, tu penses vraiment que tu peux bien me rouler? Hein? C'est ça? Hein? De quel Jésus es-tu en train de parler? Est-ce que c'est Obara ou Jésus? Est-ce que Jésus a quel pouvoir? Oncle, beaucoup de personnes cherchent à voir le pouvoir de Jésus, mais ils n'arrivent pas à les posséder. Mais nous possédons le pouvoir de qui? De Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous voulons te transmettre cette puissance. Ojo, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un avec qui vous pouvez blaguer? Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi attentivement. Ojo, aussi longtemps que je ne suis pas capable de posséder ce pouvoir, restez loin de mon terrain. N'allez plus jamais à ce terrain, que je ne vois plus jamais vos pattes là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je te voyais encore sur ce terrain, je te montrerai pourquoi on m'appelle Eboube Dike. Eboube Dike dans ta maison. Dans ta maison, pas ici. Ah, ça c'est quoi ça? Ichese, si tu ne sais pas bien lire, va trouver quelqu'un qu'il puisse lire pour toi et qu'il t'interprète cet accord. Hein? Sois sage, parce que si tu blagues avec moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un effort que tu aies en prison. Moi? Oui. Et Boubé dit qu'elle est en prison. Oui. Et ce n'est pas possible, Oudjou. Oudjou, en tout cas, tu vas trouver. Je vais t'enseigner une leçon que tu n'oublieras jamais. Obara. Emma. Obara. D'ailleurs, arrêtez ces gens. Emma. Obara. Essaye. Ne me pousse pas à faire quelque chose sur ta tête. Sinon, si je le fais, on ne va pas te reconnaître. Je te donne quelques minutes. Allez, vas-y. J'en ai assez de ce genre de bêtises. Hein? J'en ai vraiment assez. Attendez, vous verrez. Vous verrez ce que je vais vous faire. Vas-y, hey, qu'est-ce que tu peux faire? Vous blaguez, hein? Faire quelque chose? Vous blaguez, Obarima. Hein? Emma? Obarima. Attendez, Emma? Vous entendrez de mes nouvelles. Ah. Vous entendrez de mes nouvelles. Emma? Tu ne veux plus de cette puissance? Quel pouvoir? Quel genre de pouvoir est-ce que tu parles? Va-t'en, va te mettre là-bas. Tu appelles le pouvoir de Jésus inutile? C'est pas ta faute. Il a notre traiteur. Nous l'avions finalement récupéré. Ça nous appartient maintenant. Rira bien qui rira les derniers. Nielly. Quand tu blagues avec Jésus, tu le verras. Obarima! 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 C'est quoi ton problème? Pourquoi ton visage est comme ça? Tu as un problème? Maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as un problème avec qui? Agatha. Qu'est-ce qu'il y a avec Agatha? Elle a un problème? Maman, la vision, la prophétie. C'est quoi encore? Je veux dire, c'est devenu spontané. Ça, c'est bien pour lui. Dieu lui envoie sa lumière. Ah. Il veut l'utiliser. Hein? Et c'est quoi le problème avec? Il y a quelque chose que Dieu t'a montré sur Agatha. C'est le pas que Dieu utilise Agatha. Agatha. Et qu'est-ce que tu diras sur la personne qui avait prophétisé sur un montant spécifique d'argent dans le compte de Jessica? Maman, je sais, mais... Mais quoi? Nous devons investiguer sur quel esprit il utilise. Si tu parles encore, je vais te gifler. Oui. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ok, donc Dieu utilisait quelqu'un d'autre dans cette famille. Maman, c'est pas ce que j'insinue. Si Agatha était appelée, on l'aurait su depuis son enfance. Ferme-moi ta bouche. Ferme-la. Si tu essaies de parler encore, je vais te gifler. Je comprends maintenant ton problème. Quel dura-t-il d'Amos et Fumudi? Hein? N'était-il pas un voleur, un grand voleur d'avant? Et regarde comment Dieu l'utilise maintenant. Les gens payent beaucoup d'argent juste pour aller les consulter. Je sais où est ton problème. Maman, je n'ai aucun problème. Je m'inquiète seulement parce qu'Agathe est ma sœur. C'est ça ton problème.
Ton problème est qu'Agathe est ta sœur. Hein? Tu vois, non? Aucun prophète n'est accepté chez lui. Mais laisse-moi te dire, aussitôt que tu accepteras la puissance de Dieu chez Agatha, ça serait mieux pour toi. Maman, nous devons faire des investigations et savoir quel esprit... Tu vas... J'ai dit ferme ta bouche! Ferme-la, tu comprends? Je demande que le sang de Jésus puisse nettoyer ta vie. Que ça nettoie ta vie. Le sang de Jésus. Que ça puisse nettoyer ta vie. Par le nom de Jésus, je suis en train de prier. Amen. Ma chère. Maman. Tu sais que tu es vraiment comme ton père, hein? Ton père était vraiment un grand homme d'affaires. Maman. Mais toi, tu es une fille, tu lui ressembles tellement. Maman. Maintenant que tu es là, qu'on pense à comment faire notre boutique là. Mais maman, tu m'avais pas dit si Tunara et son mari avaient donné combien? Ah, ok. Mon beau-fils m'a donné 300 000 naira. Et ma fille m'a donné à sa manière 150 000 naira. Maman, maman, tu veux dire que tu as 450 millions de naira? Mbam, je propose de faire juste une petite affaire. Maman, tu n'es plus n'importe qui. Tu dois ouvrir un grand shop. Tu crois ça? Maman, on ne blague pas avec cet argent. Maman! Hein? Maman! Anita, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi? Maman! Hein? Pourquoi? Maman! Oh! Maman! Hein? Et je vis ta soeur et ses enfants venir, Jessica et Bita. Des retours de l'Amérique? Oh oui! Où sont-ils? Ils viennent ici? Je les ai vus il y a longtemps. Alors. Maman, tu peux pas aller le voir. Pourquoi? Si les esprits te voient avec Jessica, maman, tout va cacher. Le sang de Jésus. Ce que tu dois chercher en ce moment, c'est la protection du Saint-Esprit. Obarima! Ima! Obarima! Ima! Obarima! Ima! Hey! Bita lui-même a des sérieux problèmes. Tu verras sa tête, ses yeux en train de faire comme ça, maman. J'ai pas pu le regarder, maman. C'est pourquoi je suis venue. Shinga Gereba, baba, les sons de Jésus, les sons de. Les sons de Jésus. Maman. Maintenant, écoute, qu'est-ce que nous vont faire? Tu dois pas le voir. Sinon, tu vas mourir. Je ne veux pas voir les enfants de ma sœur. Aïe! Maman, ils ne sont pas spirituels. C'est pas bien. Ok, laisse-moi le voir, parce que moi je suis spirituelle. Oui, je n'ai pas peur. Nous sommes arrivés à la maison. Attends, je viens. Je viens t'aider. Il ne faut pas aller le voir, oh. Le sang de Jésus. Akarabarakabame. Le sang de Jésus. Elle fout pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Maman? Maman, où êtes-vous? Mais pourquoi... Allô? Il y a quelqu'un à la maison? Maman! Nous sommes là. Où sont-elles? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici?
je suis vraiment la personne qui vit avec ça. Mais soudainement, elle a pu tourner contre moi. Elle s'est vraiment avérée une vraie escorte, c'est ce que je t'ai dit. Ça peut être qui? Obianoju. Hey. La femme à mon grand frère. Elle a dû toucher à quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Et quand je vais finir avec elle, elle fuira ce village. Ah, Eze. Je pense que tu as dit que tu es arrangé avec eux. Tu l'as démontré en leur restituant la portion de terre. Et ne le dis plus encore. Quelle terre? Ce terrain m'appartient et ça n'appartient à personne d'autre. Eze, regarde-moi bien. Je ne suis pas du tout un gamin que tu peux rouler n'importe comment. Il faut être sincère et verdict. C'est quoi ça? Hein? J'étais là quand tu as dit que tu avais restitué une partie de l'argent à son mari avant sa mort. Pourquoi tu nies? Écoute, je n'ai pas dit toutes ces choses avec mes yeux clairs. J'étais influencé. Ah, quand tu le disais, tu n'avais pas de l'eau dans ta bouche. Et qui t'avait influencé? Obianoju. Comment? Est-ce que tu sais qu'Obianoju avait guéri sa fille Agatha d'une maladie incurable qui lui avait été infligée par les dieux? Impossible. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu m'as bien écouté. Attends, toi tu dis que c'est impossible. Je te pose une question. Où est-ce que tu as vu Agatha? Non, dis-moi. Mais je pense que tu as dit que tu as apaisé les dieux. Arrête ces bêtises, de quel dieu tu es en train de parler? Rien n'avait été fait. Obianoju a fait taire les dieux. Oui, si Obianoju n'a pas apaisé les dieux tel que tu l'as dit, il t'a manipulé à faire ce qu'il a voulu que tu fasses. Alors comment toi tu prétends de la restituer cette terre? Voilà où tu es. Tu es mon ami, tu vas m'aider, hein? Je suis venu, ton ami. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas m'aider à retrouver cette terre? Vraiment? Moi? Alors comment je vais faire? Anita, ma chère, pourquoi ton visage est comme ça? Je suis sûre qu'il n'y a rien de mal. Maman, quelque chose s'est passé où? Hey! Qu'est-ce que tu as dit? Quelque chose s'est passé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, Barima. Et ça me montre toujours des choses. Je revenais juste de la maison de Dieu. Je vis beaucoup de choses. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas bien. Dis-moi, c'est quoi? Hein? C'est à mon sujet? Oui. Les choses qui te concernent. Obarima. Ima. Obarima. Ima. Obarima. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Akabarabaka chocolo. Kouk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 
Écoute, tu sais, Oudji, que je connais. Oudji, tu sais vraiment qu'il a beaucoup d'argent. Mais si tu lui offres de l'argent, il va vendre sa famille. Alors n'aie peur de rien. Ça va marcher. Si ou bien Oudji t'a manipulé de vendre cette terre que tu réclames, ne sais-tu pas qu'elle a le pouvoir de connaître que nous planifions pour voler ces documents? Et comment le saura-t-elle? Elle est Dieu? Ou bien Oudji n'est pas Dieu? Et que penses-tu de ces bêtises qu'elle fait là? Elle n'est pas Dieu, elle ne saura rien. Mon frère, il faut éviter certaines choses pour sauver ta vie. Hein? As-tu peur d'elle? J'essaie d'être prudent, ce n'est pas la question d'avoir mon peur. Chef, oublie toutes ces histoires. Attends d'abord, est-ce que ça peut aller? Je pense que j'ai un meilleur plan. Ah bon? Oui. Alors c'est quoi, dis-moi? Il faut corrompre son fils pour avoir ses documents. Aïe! Bravo! Je vous ai appelé pour qu'on essaie de parler. Je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu, hein? Essayons d'être clair. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu as besoin d'aller à l'école de ministère avant de se faire appeler prophétesse. C'est vrai, chica de moi. Je pense que tu as raison. Je ne vais pas aller à l'école de ministère parce qu'en ce moment, je suis plus qu'une graduée. Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Sans effet. Ah non, personne ne va jamais écouter ce qui vient de ta tête. Ah, j'ai parlé. Aller à l'école, tu refuses. Ok, va même à l'école de ministère, tu dis non, mais tu veux devenir prophétesse. Hein? David de la Bible. Bien sûr qu'il était devenu prophète, il était allé à l'école. De quelle Bible tu parles? Oh, chica. À chaque fois, si je vais commencer à parler quelque chose, tu es là pour mettre ta bouche. Chica, si tu dis que David n'est pas un prophète, et que diras-tu d'Israël et de tous ces autres-là? C'est ça. Ils sont tous des prophètes. Israël lui-même, il était en train de prophétiser. Il était en train de se battre avec tous ces mondes. Tu as raison. Mais ils ont continué à prier pendant 40 nuits. Tu devais faire... ce qu'elle a dit. Maman, ne doute pas de moi. Ne doute pas. La spiritualité que tu vois a beaucoup de choses. Et Dieu lui-même a son plan pour tout ce que nous voyons ici. Ok, attends. C'est quoi ça? J'ai besoin de commander quelque chose. Attends que je te donne de l'argent. J'ai de l'argent ici, mais il me faudrait aller chercher l'échange. Je ne sais pas si tu peux m'aider à trouver la monnaie. Donne-moi ça. Autre. Oh. C'est moi qui vais jouer. Attends. Attends, tu vas jouer. Tu peux jouer maintenant. Oh, j'ai eu de bonnes fleurs. Azuka. Oui. 50 000 naira sera automatiquement pour toi. Si tu peux nous fournir ces documents dont Eze a signé avec Obianuju. Oui. Ton argent sera intact. Et importe où ces documents vont te donner. Immédiatement. Nietzsche, je suis d'accord avec toi. Écoute, les documents ne sont pas un problème. Je sais même où les documents se trouvent. Oui. Je peux facilement les apporter. Oui. Le grand problème ici, c'est de l'argent que je parle. Mais c'est un peu d'argent. Ce que j'ai besoin, c'est que vous ajoutez un peu d'argent parce que je compte encore faire beaucoup de choses avec ça. Ajoutez un peu. Non, mais attends. Est-ce que l'argent est un problème? Nous t'avons donné une mission à accomplir. Alors, va l'accomplir et oublie l'argent. Et tu sais, ce n'est pas seulement mon avis, non. C'est tout le monde qui pensera de la même manière. Je le ferai pour toi. Je le ferai pour toi si tu me le donnais. Fais-moi confiance, même l'homme avec qui tu es venu, il sait pourquoi on m'appelle comme ça. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner 17 000. 17 000 cash. Il n'y aura pas, en fait, de va-et-vient. Je vais te donner directement l'argent quand tu vas venir avec le document. C'est toujours peu. Moi, ce que je veux, c'est que le prix... non, ne dis pas ça. Ça, c'est un peu d'argent, c'est comparé à ce que je veux faire. En tout cas, c'est très peu d'argent. Hein? Faut même pas parler de ça. Écoute, il faut que tu ajoutes. Regarde, c'est que moi je vais faire. En tout cas, c'est pas comparé à ça. Mais laissez-moi à 100 000, comme ça je fais directement le boulot. Tu penses que c'est que tu lui laisses. Mais mon cher ami, tu veux dire que 70 000, c'est très peu pour c'est toi. C'est une petite chose pour moi comparé à ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je t'ai dit que c'est très peu. Par rapport à ce que je vais faire, essaie un peu d'ajouter un peu d'argent.
Ok, il n'y a pas de problème, c'est un deal. Et 100 000, c'est un deal. Va travailler. Et ton argent est intact, c'est dans ma poche, je vais te le donner. Va juste travailler, hein. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Pas de problème, Ichi Amadou. Pas de problème, je vais le faire. Mais ce que je veux vous dire, je ne veux pas de problème avec l'argent. Je vais courir très rapidement. Je ne veux aucun problème avec cet argent. Je ne veux pas qu'on me dise après, voilà, cet argent-là est utilisé pour faire autre chose et que je ne veux pas du tout de ça. Aujourd'hui, si tu les fais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas un problème. Je te donnerai l'argent. Non, attends que je te l'amène. Ne te dérange pas. Je veux pas que tu parles trop. Mon cher, elle va nous l'apporter. Ah ah, écoute, mon cher. Lui, Azuka. Tu es sûr? Ah, il va nous l'apporter. Ah. S'il vous plaît, je vais vous parler. Tu lis encore ces livres? Je vais parler avec vous. Écoutez, nous aurons une nuit de prière et vous devez participer. C'est pas bien, nous on prie et vous vous dormez. Quoi? Le faire ici? Non, 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 ma chère. Ça ne peut pas se faire. Parler en langue. Non, je dis que ça ne peut pas se faire. Tu es maintenant sérieuse? Non. Oh non, tu as besoin de Dieu. Je ne blague pas. Tu as besoin de Dieu. Non. Parce je dis non, Jésus. Ça ne peut Alléluia. Pas se faire. Alléluia. Je ne blague pas. Oh. Non, écoutez, ça ne peut pas se faire. Vous devez participer à la nuit de prière. Personne ne va prier. Vous devez prier. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin. Non. Ici, je dis, vous devez prier ici. C'est quoi? Je suis fatiguée. Je ne blague pas. Je suis fatiguée. Je vais casser cette porte. Vous devez participer à la nuit des prières. C'est quoi avec vous? Vous êtes lié au mauvais esprit. On veut vous délivrer et puis qu'est-ce que vous pensez? Ok, attendez. Je vais dire à maman tout ça. Non mais qu'est-ce que c'est? Je veux que tu t'assieds et qu'on discute. Et qu'est-ce qu'il y a qu'on va discuter ce matin? Je n'ai pas de temps pour ça. Je suis en retard, je dois sortir avec Ichie. Et ton affaire là peut attendre. À mon retour, nous allons en parler sans problème. Non, je ne peux pas attendre car c'est vraiment important. Eddie, mais je t'ai bien dit que ça peut attendre. À mon retour de l'endroit où je vais, nous allons en discuter. Qu'est-ce que c'est? Non, parlons maintenant. Et cette conversation est terminée. Je ne discute sur rien. Et quand je vais rentrer, nous allons en parler. Mais non, va dans la maison. Si je te demande de parler quelque chose, tu ne diras absolument rien. C'est quoi le problème? Fais attention. Noé. Et toi, fais attention. Fais attention. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel genre d'homme comme ça, mon Dieu? C'est quel genre d'homme? Hein? Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions au nom Amen. De Jésus. Abala, Ima, Abala, Ima. Maintenant, nous allons prier et agresser le démon. Ça, c'est le temps de détruire le démon. Position. Envoyons le feu au démon et à tous les ennemis. Holy Ghost fire, Chuba, Holy Ghost fire, Chuba. Tirez. Nous allons attaquer le démon qui vient de partout. Même ceux de la Chine, même ceux de l'Amérique, même de l'Afrique, peu importe leurs forces, nous allons les détruire. Nous allons les détruire. Détruisez-les. Il faut les chasser. Toute personne qui ne prie pas, il sera frappé par Dieu. Moi, je suis fatigué, je fais ma part. Jessica, j'arrive. Ah, le feu. Oui.
envoyons-lui le feu. Naé. Oh, maman. Naé. Tu es rentrée? Oui, je suis là. Où est ton père? Depuis qu'il était sorti de la maison. Il était sorti? Oui, maman. Hey. Il est sorti il y a longtemps? Oui, maman. Hey. Je l'avais dit. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais dit. Ton père est toujours comme ça. Ton père est devenu très risé ces derniers temps. Même s'il ne me dit rien, je sais qu'il me cache quelque chose. Je sais. Tu peux avoir raison, maman. Parce que je les ai entendus. Je l'ai entendu discuter avec... Il s'appelle encore comment? Ishimado. Il discutait à propos de Mama Agata. Il ne faisait que répéter son nom. Hey! Lui encore! Hey! Mama Agata encore! Ces derniers temps, ils sauront que je suis de retour. Et je suis revenue pour leur donner tout ce dont ils ont besoin. Qui ne s'inquiète pas, je suis là. Je suis là, ils vont me sentir. Peu importe, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter à propos d'elle. Hein? Si jamais il y a quelque chose, je vais me battre personnellement, je viendrai te dire. Merci, ma fille. C'est ce que maman, j'ai besoin. Maman, ta nourriture est prête. Laisse-moi te la porter. Non, non, non. Allons à l'intérieur. Cet homme veut me tenter. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais m'occuper de lui moi-même. Qui est là? Il y a quelqu'un? Ah, heureusement. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ça? C'est ta maison ici. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Aussi longtemps que tu as quitté ici toi-même. Amaka, écoute, je ne suis que venu te passer une très bonne information. Alors, pourquoi tu commences à m'insulter maintenant comme ça? Une bonne information? Oui. J'ai une affaire avec toi. Écoute, si ton information est pour me corrompre, tu ne sauras pas m'avoir. Tu ne sauras pas, je te dis. Moi, je suis bien blindé. Sors. Ok, je ne veux pas que tu commences maintenant à m'insulter. Je n'étais que venu te donner une très bonne information. Laisse-moi te dire, peu importe ce qui arrive, ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Peu importe ce qui vous arrive dans cette terre, ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Pas de problème, moi, je ne comprends pas. Le terre, comment? Viens. Qu'est-ce qui est arrivé à le terre? Il y a des gens qui veulent la vente de terre et en ce moment je te parle, ils veulent la vendre. Ils sont en train de trouver des documents pour le donner à l'acheteur. C'est pourquoi je ne suis pas venu pour te déranger. Tu sais que je ne peux pas le faire. Et tout ça pour la relation que j'ai avec ton frère. Et pour la famille dont tu appartiens et toute chose. Les gens? Quels gens? C'est Ichie et il est déjà là-bas. Ichie? Oui. Ne me dis pas ça. Ils m'ont d'ailleurs demandé des documents. Je leur ai dit que je leur emmène et je profite de fuir. Et fallait voir qui d'autre est impliqué dans ça. Merci Seigneur. Dieu merci de t'avoir manifesté en moi. Tu m'avais donné la vision. Et tu viens de le confirmer maintenant. Merci pour l'information. Tu fais apporter les documents. Demain, je te donne les documents, tu les apportes. D'accord. J'ai tous les documents. Je vais te donner, tu vas les apporter. Mais s'il te plaît, que comptes-tu faire après ça? Ne leur dis pas que tu m'as parlé du plan. Non, non. Faisons juste l'acte. Tu vas venir, je vais te donner les documents et tu vas les apporter. C'est ce qu'il veut, non? Tu vas les apporter, ça. Si tu Mais me dis alors. Avant demain, j'avais parlé à Dieu. Il m'a déjà dit ce que je dois faire. Je crois en lui. Il m'a dit de te dire de venir demain pour prendre les documents. Pas de problème. D'accord, alors lorsque je viendrai demain. Pas de problème. Merci pour l'information. Écoute, je ne veux pas qu'il sache que c'est moi qui t'ai dit ça. Garde ça comme un secret. Sans Dieu, tout est impossible. Vas-y, et demain, viens prendre les documents. Je vais te les donner. D'accord, alors je m'en vais. Je n'ai pas d'autre choix. Je vais te les donner. J'avais déjà prié pour ça. Viens. Seigneur, merci de m'avoir donné la solution. Oh. Peace. Peace. Peace.
Oui, mon oncle. Bébé, viens. Viens ici. Oui, monsieur. Peace. Bébé, bébé, tu vois, je suis déjà habitué de manger tous les jours. J'aime bien manger les foufous, ensuite prendre autre chose. Mais maintenant, là, j'ai faim. Est-ce que tu peux m'aider? Peux-tu Est-ce que tu peux aller à l'extérieur me chercher quelque chose à manger tel que le riz? Tu peux ajouter aussi la viande? Ici, C'est ça. Prends cet argent. Oh, oncle. Avec beaucoup d'argent comme ça. Oui, c'est de l'argent. Ne touche pas cet argent. Cet argent est démoniaque. Hein? Ça provient du royaume des démons. Regarde ça. Les dollars? De l'argent? C'est l'argent envoûté. Oh, amen. Prends. Non. Non. Allez-y quelque part et cherche la monnaie. Tu as vu ça? Tu vois? Si tu vas là-bas pour changer cet argent, c'est fini. Ta destinée sera changée. Laissons de Allons à l'intérieur et prions pour casser ces démons. Tu as vu comment on veut gâcher ta vie ce matin? Sa mission Laissons est de gâcher. De Vraiment, vous êtes Allons folle. Prier. Vous Allons êtes prier. Folle. Ça, c'est les dollars. Mais c'est quoi? Dieska, tu dois faire un peu vite. Dieska, où est-ce que tu es? Dieska, tu es où? Dieska? Ok, alors maman, voici le business que nous allons faire maintenant. Parce que je sillonnais dans tout le marché et j'ai constaté qu'il y a un grand besoin. Mmh. Alors avec ça, nous allons faire un bon marché. Merci beaucoup. Maman, il y a un problème. Ma chère, c'est quoi le problème? Ichese, il a envoyé quelqu'un venir prendre les documents de terre. Obarima. Ima. Obarima. Ima. Obarima. Ima. Hey, hey. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire et je te le dirai. Je m'occupe de ça et je te donnerai la Hey. Suite. Hey. Les fous ne vont pas s'arrêter. Et que Lélé. Oh, maman. Hein? Y a pas de problème, maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Ça, c'est un problème sérieux. Le premier de tout. Hein? Ok, maman. Obarima! Ima. Obarima! Ima. Que le feu le consume. Amen. Hey! Voici les documents. N'est-ce pas qu'ils ont besoin de ces documents? D'accord. Alors, prends ça et va les redonner. Il y a tout dedans. Quoi? Tu veux encore le faire sortir? Juste garde ça et va les redonner. Je le mets sous mon habit. Personne ne doit te voir. Oui, je t'assure que je vais trop bien le garder. Ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, je dois partir. Fais attention. Mais voici, je suis là. Ah! Ce sont les vrais documents. Ça, c'est vraiment les vrais documents. Messieurs. J'ai confiance à toi. Laisse-moi te donner ton argent. Prends, c'est vraiment au grand complet. D'accord, pas de Je te fais confiance. Le vrai document. Ce sont les vrais documents. J'ai confiance à toi. Aussi, oui, merci. Je sais que tu ne peux pas me tromper. Oui, messieurs. Ichese. 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 On a fait ça. Félicitations. Bravo. Oui. Je t'avais dit que ça allait passer comme ça. Je t'ai dit, mon cher, je vais faire ça.
Tu es un bon homme. C'est ça. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le monde pour t'avoir? Pourquoi sommes-nous amis? Merci beaucoup. Et ça, ça mérite. Ah, c'est bien. Allons, ok, ça va. On est vraiment joyeux aujourd'hui. Arrêtez-vous, mettez-vous, Itié. Hein? Laissez-moi leur mettre ça à la maison. Comme ça, je reviens. Je vais manger. T'as tué mon frère. Écoute, mon frère, tu sais que Uchi lui-même n'en sait rien du tout. L'instruction sage de sa femme. Oui, c'est ça. Je sais, toi, je dois te respecter. C'est vrai ça. C'est bien moi. La mission est accomplie. Qu'est-ce qui ne va pas ici, mon Dieu, mon roi? Et qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qui est celui qui a été ici? Hein? Pour utiliser tout ce qui a été ici? Hein? Oh, oh. Donc les gens n'ont pas peur, hein? Maman? Hey! C'est qui est celui qui veut me tenter? J'espère que c'est pas ce que je pense. Que penses-tu? Oui, maman. Qu'es-tu en train de penser? Hein? La semaine passée, papa était sorti de la maison avec des documents. Et après quelques jours, mon ami m'a... Hey, maman, c'est ça. Mon ami m'avait dit ceci. Maman Ebuka a manipulé papa pour lui donner ses terres dans sa famille. Mon Dieu, mon roi. Oh, bien nous dû. Vraiment. Oh, bien nous dû pense qu'il va vraiment manipuler mon mari pour lui donner ses champs. Elle ment. Cela ne peut jamais arriver. Aussi longtemps que je serai en vie, elle ne l'aura jamais. Elle ne peut jamais prendre ses champs. Hein? Ou bien nous dit encore, comme elle veut toujours me tenter, elle saura de quel bois je me chauffe. Cette femme n'a pas peur. J'ai fini son histoire sur 7 heures. Tu vois, c'est pourquoi ton père est devenu très méchant envers moi. Hein? C'est pourquoi il ne veut même plus de moi. C'est bon, ça ne dérange pas. Il va vraiment me sentir. Allons-y. Maman, tu vas où comme ça? Suis-moi. Maman, où vas-tu, non? Hey! Chère dame, pourquoi manipule-t-il mon mari? Pourquoi tu le manipules? Hein? Tu as un problème avec moi? Tu ne veux pas ma paix, Oben Oudjou. Tu es en train de manipuler mon mari afin de te donner les seuls champs que j'ai. Pourquoi? Hein? Ezinia, point de correction. Je ne sais pas celui qui t'a donné cette information. Peu importe celui qui t'a donné cette information, il t'a donné une mauvaise information. Ton mari a juste rendu le parti des terres de mon mari, qu'il avait pris à mon mari. Hey, tu écoutes? Tu attends ça? Hey. Qui ne connaît pas dans ce village que ton pauvre mari était un nuisant? Hein? Qui ne connaît pas ça? Et que personne ne pouvait habiter avec Ezine, lui? Tu appelles mon pauvre mari Madekwe, qu'il était nuisant? Ah, ai-je tort? Tout ce que j'ai dit, je blague? Dis-moi que ce n'était pas ça. Hein? Il était juste comme une sentinelle. Barema. Suivant mon mari. Barema. Hein? Et tu sais bien que mon mari était riche que lui. Ai-je tort? C'est pourquoi tu es jalouse de moi. Oui. Écoute, pense que tu venais ici me blaguer avec toi. Tu rigoles. As-tu vu mes dents? Écoute-moi, si je vois encore tes pieds dans mon champ là-bas, si je te vois encore, c'est ce que je vais te faire. Tu vas qu'est-ce que tu vas faire?
résigné, qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Parce que je suis calme, tu te crois? Tu veux que je puisse ouvrir ta cage secrète? Qui sais-tu? Qu'est-ce que tu sais faire, dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Ferme ta bouche, ferme-la. Devant ta fille maintenant, née. Elle t'a déjà dit qu'elle avait coopéré avec monsieur Eze. Iche, peu importe son nom. Eze, de tuer son premier mari. Elle t'a pas maman? Dit que monsieur Chief Eze. Chef Eze. De tuer son premier mari, ton père. Elle t'a déjà dit que monsieur Eze n'était pas ton père. Hey! Il y a maintenant confusion. Obarima. Ne la suis pas. Obarima. Obarima. Ok, je vais tout dire maintenant. Tu es une mauvaise femme. Pas de problème. Je n'ai pas le temps de rester ici pour te suivre. Tu vas m'écouter. Allons-y. Non, non, tu étais venue pour m'écouter. Tu vas m'écouter maintenant. Allons-y. Ma fille, ne parle pas. Ne parle pas. Laisse-moi te révéler tout ce que tu ne sais pas. Regarde. Cet homme-là, c'était Malili, il tient ce que tu vois. Tiens, tu vas m'écouter, inutile de femme. Allons-y. Tu y as fui. Sorcière. Allons-y. Obarima. Obarima. Obarima, ils ont fui. Hein? Itchese. Vend le terre d'autrui. As tué l'homme qui vivait avec ta mère. Ezigné. Ngozi. Maman, je suis juste inquiète et je réfléchis. Pensez à propos de quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je réfléchis à propos de ce que maman et Banyutu venaient de dire. Quoi? Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Dis-moi, je veux savoir la vérité, maman. S'il te plaît. C'est toi et papa qui avaient tué ton premier mari. Ferme-la! Hey! Comment peux-tu dire une telle chose? Hein, Ngozi? Hey! Ngozi! Tu as intérêt de bien connaître Obianoujou. Hein? Elle est toujours en train de prendre les choses par-ci, par-là pour les mélanger. Elle prend ceci, elle prend cela, elle prend là-bas. C'est quoi avec elle? Maman, je ne suis pas aussi sûre. Et ça peut aussi être vrai. Ma fille. Oui, maman. On n'a pas tué personne. Non. Moi et ton père, nous ne sommes même pas des sorciers. Comment pouvons-nous les faire? Écoute, Obianoujou, c'est une sorcière des femmes. Elle est toujours comme ça. Qu'elle vienne ici, qu'elle aille là-bas. Toujours comme ça. Elle aime toujours parler. Disons les choses que tu n'es même pas sûre. Hein? Mais pourquoi elle peut dire ça? Ah, ma fille. Oui, maman. J'étais étonnée, très étonnée. Comment une vieille femme comme elle, peut-elle fabriquer un tel mensonge et accuser des personnes comme nous? C'était vraiment ce qui m'avait étonnée. Hein? On n'avait tué personne, non, ma fille. Ok. Écoute, tu vois cette dame? Si elle ment pour toi des choses pour ton passé, tu peux même fuir ce village. C'est ce que tu sais maintenant. Je la connais. Hein? C'est une mauvaise femme, une très mauvaise. Parce que tout ce qu'elle a dit là, ça m'a fait réfléchir, tu sais. As-tu déjà vu quelques mauvais signes dans ton père et à moi? Hein? Non, maman, je te sais m'inquiéter. Je suis surprise sur tout ça. S'il te plaît, ma fille, allons-y à la maison pour quelque chose à manger. Ne suis pas cette femme, c'est une sorcière. Mon mari, je vais parler avec toi. Izina, qu'est-ce que c'est? Je veux que tu prennes place et qu'on discute, c'est ça. De quoi veux-tu qu'on puisse discuter? Je n'ai pas de temps pour ça. Je vais quelque part avec Richie et Mado. Garde ton sujet, à mon retour, je crois qu'on va bien en parler. Naï, je ne peux patienter, c'est vraiment important. Ezene,
J'ai bien dit que ça doit attendre. Et quand je serai de retour, nous allons en discuter. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit que j'ai marre d'en parler. Et je n'en discuterai plus. À mon retour, nous allons en parler. Alors va à la maison et puis... c'est quoi ça? Vraiment, j'arrive. Ne t'en fais pas, j'arrive. On va en parler. Quel problème? Et je te préviens. Naï. Non, je te mets en garde. Hein? Naï. Je te mets en garde. Il y a quoi? Quel genre d'homme est-il comme ça? Hein? C'est quoi ça? Bon après-midi. Comment je t'ai pas écouté venir? Ok, je le sais, mais tu es en train de dormir. Tu veux venir me tuer? Non, je ne suis pas là pour te tuer. Ce n'est pas ce que je suis venue faire, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te demander quelque chose. Eh, Obianudjo, s'il te plaît, comment peux-tu... savoir ce que tu avais dit ce jour-là à ma fille. Parce que c'était un secret entre moi et mon mari. C'était un mensonge. Est-ce que je mentis? Parle, non. Est-ce que je mentis? J'ai plusieurs informations entre mes mains. Je peux commencer à ouvrir le page une par une. Tu crois que je ne sais pas comment... Crois-tu que comment ton mari a tué Mazokuru et puis a pris sa terre? Tu veux que je dise plus? Quand ton mari, tu sais que vous êtes les personnes qui l'ont tué, toi et ton mari. Mais même ta fille aussi le sait. Quand il voulait faire l'accord pour chercher à t'épouser, il t'a donné au... Tu ne veux plus écouter? Ma sauce? Viens, je te donne la sauce. C'est ça. Je connais tous de vos secrets. Si seulement tu ne t'étais pas dans ce village, ma bouche aussi va s'ouvrir. Et la mienne va sortir. Wow. Ah, mon cher, c'est comment? Ah, et tu es vraiment prêt, compas? Oui. Alors, je veux te dire quelque chose. J'étais allé voir cet homme de goûter. Il m'a remué une substance. Oui. Il a dit, quand tu voudras voir Obianudjo, tu dois appliquer ça sur ton visage. Elle ne va plus nous manipuler encore. C'est vrai? Oui. Ça, c'est gentil de ta part. Et oui. Où est ce trick? C'est ici, attends. Le voici. Et ce n'est pas si compliqué que ça, tu vas mettre juste très peu. Ah, et puis, c'est vrai ça? Montre d'abord ta main. Mm-hmm. Commence par toi-même. Et que je le fasse en premier. Oui. Et tu es mal, tu as peur. Non, je suis juste prudent. C'est bon, c'est moi qui l'ai apporté, il n'y a pas de problème. Uh-huh. Ok, maintenant, tiens ça. Mm-hmm. Mmh. Tu vois, mmh. Ça ne fait absolument rien. Ça suffit comme ça. Mmh. Tiens, je vais aussi appliquer. Et ça ne fait rien. Allons-y. Ça ne va rien faire. C'est comment? Nous sommes blindés. Elle va marcher dessus. Elle va voir. Ok, c'est ça. Mm-hmm. On m'a dit que tu me cherchais. Bienvenue, oncle. Aisé, tu as la parole. Aisé, dis-lui ce que nous sommes venus faire ici. Mais mon cher, tu peux parler, Aisé, non? Hein? Tu m'as amené ici. Dis-lui ce que nous sommes venus faire. Tu as peur de quoi? Ah ah! Mais tu sais de quoi on avait parlé là-bas. Dis-lui, allez-y.
Tu as peur de quoi? Maman, tu sais pourquoi ils sont là? Oui, je sais. Ma Zézé, amenez ces messieurs. C'est lui qui viendra prendre le document pour signer l'accord pour nous. Quel courage! Qui les a donné ce courage de venir ici et prendre ces documents? Ce qui leur a donné le courage, c'est que ma Zézé a envoyé les gens pour faire des incantations. Et ces incantations vont nous neutraliser. Quelle audace, franchement! Mais vous êtes découragé. Pardon. S'il te plaît. Pardon. Je n'ai jamais accepté d'être complice. C'était Ichese qui m'avait influencé. Pardon. Ne te fâche pas contre moi. Pardon. Je n'ai pas encore dit quelque chose. Pardon. Mais tu me supplies. S'il te plaît, pardon. Un grand homme comme toi, on t'a mis dans la poche pour t'amener. S'il te plaît. Ce n'est qu'une erreur. Pardon. C'est pas lui qui avait dit... Il a tu les originaux. As-tu vu ça? Moi, oh, pardon. Easy, présente tes excuses. Maman. Cours, on y va. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Elle ne vient pas? Hein? Aisé, je t'avais dit, mais tu m'avais pas cru. Je t'avais dit, ou bien Oudjou a le pouvoir de capter même tout ce que c'est planifié en secret. Tu avais dit non. Tu vois maintenant? Et comment est-ce qu'elle a pu avoir ce pouvoir? Comment est-ce qu'Abiyar Oudjou a eu ce pouvoir? Et qui le lui a donné? Regarde, je suis prêt à payer. Et peu importe le montant pour avoir ce pouvoir. Et c'est quoi ça? Mais Ichie, il y a quelque chose qui me dit que cette dame a fait beaucoup de sacrifices pour ce pouvoir. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de dire quelque chose ici parce que tout ce qui se dira ici, elle va nous capter. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Toi, tu attends là. Ichie. Oui? Ichie, attends-moi. Eji. Bébé Eji. Eji. Oh, Paliba. Les sons de Jésus. Calme-toi, bébé. Tu fais beaucoup de bruit. Le feu. Tu tires. Beaucoup de bruit. Oh, le feu. Ceci, cela. C'est quoi? Tu es en train de passer ton temps avec le bruit inutile. Moi, j'en ai marre. Je t'ai sorti et tu étais resté endormi. La prière de Dieu est du bruit pour toi? Oh, bébé. Sans effet. Si tu veux un homme, je t'amène un homme. Si tu veux parler à Dieu, il est dans les cieux. Parle-lui en silence. Tu peux même l'appeler, lui dire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que cet homme veut? Que je lui brise? Aisé, d'où est-ce que tu viens? À des endroits privés. Et d'ailleurs, tu es suspect. Je te suspecte, toi. Ah ah! Et comment as-tu coopéré avec ce garçon afin de me scroquer 5000 naira? Tu es dévoilé. T'es pas bon. Ah ah! Je pensais que tu es mon ami. Pourquoi tu as fait ça? Aisé, hein? Pourquoi tu peux me dire comme ça? Hein? Pourquoi clasher toutes ces bêtises? Comment tu peux dire que j'ai fait un complot avec ce garçon pour te dribbler? C'est toi la première personne à m'induire dans l'erreur. C'est quoi 100 000? D'ailleurs, ne me compte plus dans ceci. Est-ce qu'on traite un ami comme ça? Calme-toi d'abord, viens hein? Ici. Oh, c'est d'accord, non, alors parlons. Non, vraiment, tu as mal agi. Pourquoi tu vas me rabaisser juste à ce niveau? Pourquoi? Mon cher, tu dois savoir que 100 000, ce n'est pas un peu d'argent. Il doit nous restituer cet argent. Comment est-ce qu'on va les trouver? Unique moyen... que nous pouvons l'avoir et d'aller chez lui. Là-bas, il n'est pas à la maison. Il n'est pas à la maison. Ne t'inquiète pas. Je sais là où je peux le trouver. Mais allons-y, s'il te plaît, allons-y.
Hé, hey, ce type, nous devons récupérer cet argent de ses mains. Naï, toutes ces choses se sont passées et tu ne m'as rien dit. Et qu'est-ce que tu allais faire? Et tu allais faire quoi? Naï, arrête de manipuler mon esprit. Oh. Je vois comme si tu as oublié la femme que tu as épousée. Si Obianodjou pense vraiment qu'elle a la puissance, je suis plus que la puissance. Je suis plus que la puissance. Aisez-moi, yo. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne sais pas. Et cette femme, Obianodjou, est une démon. Elle est vraiment puissante et manipulative. Alors fais attention. Naï, tu as vraiment raison. Oh, tu as compris ça? Obianodjou a une grande puissance. De quel secret parles-tu? Naï, Obianodjou sait comment moi et toi avons tué... Comment? En fait, comment il a découvert ça? Baisse la voix. Ah ah. Ça, c'est exactement ce que je suis en train de me demander. Hey! Alors, on est mort. Obianodjou doit vraiment la faire taire. Et si elle révèle ça, alors on est fini, oh. Naï, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Quoi alors? Oh, Barima! Emma! Oh, Barima! Emma! Oh, Barima, Koro! Emma! Le sang de Jésus! Ça, c'est là où... Tout le démon vient nous foutre. On doit prier pardon. Obarima. Emma, nous allons maintenant commencer les services maintenant. Bam. Sors. Sors. Ce démon. Le sang de Jésus. Les... Maman, ne t'approche pas. C'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Qui peut marcher là-dessus? Je peux voir comment je possède cet endroit. Hey. Je te remercie, Seigneur. Abali, maman. Obarima. 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 Abali, maman, fais attention. Voilà, maman. Tu vois ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi? Il vient de sortir. Où sont-ils? Je vois pas. Il ne peut plus retourner ici. Non, il va plus revenir. Je l'envoie. Dans le lieu exact. On les envoie. Je l'envoie. Je le renvoie. Allez, vas-y. Je le renvoie. Vas-y. Je le renvoie. Vas-y. Je le renvoie. Vas-y. Vas-y. Je sanctifie cet endroit. Je purifie cet endroit. Oh, Baribara, Baba. La Bible dit, là où vous foulerez vos pieds, je vous les donne en possession. À partir de maintenant, je possède ce lieu. Je prends le contrôle de ce lieu. J'envoie le feu sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, personne ne peut encore accéder à ce lieu. C'est ça ce que tu fais, ce que tu fais dans mon champ. Hein? Hein? Peux-tu quitter cette place? Que fais-tu ici? Vous pensez que je ne sais pas que vous êtes venu pour encercler cette terre? Je sais à propos de tout ce que vous faites. Vous ne venez pas pour travailler. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie, yo. Tu verras. Cette terre dont tu parles, ça t'appartient. Oui. Agatha. Mensonge. Ce champ m'appartient. Et je vais en vendre pour prendre de l'argent. N'importe. Toi et ta maman, vous n'allez rien me faire. Je vendrai ça et je prendrai de l'argent. Il n'y a même pas beaucoup de débats à faire. Tu le sais bien que ça nous appartient. Imagine un peu le courage que vous avez. Toi et ta maman, je ne comprends pas, vous êtes... Veux-tu que j'ouvre ta parenthèse? Quelle parenthèse? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Maman, depuis que je le dis clairement, comment elle t'a disgracé? Tu veux que je le dise? C'est quoi? Agatha, je vais voir que tu es folle. Rends-toi à l'hôpital et va faire soigner ta tête. Vas-y. Je vais voir que tu es folle. Tu es vraiment je folle comme ta maman. Je ne suis pas folle parce que je vis une vision. Regardez-moi ça. J'ai bien vu tout ce qui s'est passé.
Tu veux que je parle aussi de ton cas? Tu ne feras rien. Tu veux que je dise tout sur ferme ton mari? Ferme ta bouche là. Veux-tu que je te dise comment ton mari topait les gens ici à Lagos pour les arracher de l'argent? Maman, je peux parler? Dis-moi de dire plus. Tu me permets de parler? Allons-y. Tu es vraiment stupide. Tu veux bien que je parle? Tu es une stupide fille. Je crois qu'on doit t'amener à l'hôpital, même dans 5 hôpitaux. Ça, c'est le Seigneur. Allez, viens ici, ne suis pas cette folle. Vous devez rester loin d'Agatha. Maman, tu n'as rien dit à propos de cette terre. Viens. Quelle terre? Celle viens, on part, voilà. Viens. Elle ne peut rien dire. Je connais tout. Je n'ai pas le temps. Maman, c'est quelque chose pour quelle la terre. Quelle terre? Je vais ouvrir encore l'autre parenthèse. Viens, je n'ai pas fini. Écoute. Nandi va se marier après demain si tu ne sais pas. Maman, fallait voir comment je lui ai parlé. Je les ai arrêtés. Tu peux imaginer le courage. Fallait voir les courages qu'ils étaient venus avec. Et s'il commence à dépasser les limites, oh. Il dépasse vraiment ses limites. C'est pas grave, je connais les dieux que je sers. Il a dit qu'il va combattre mon combat et me donner la victoire. Amen. Amen, maman, ça c'est spirituel. Personne, maman, ne peut s'élever contre toi. Emma, on va s'occuper d'eux. Maman, je t'avais dit que maintenant on va les attaquer. C'est ce que je remarque, oh. Mais les problèmes que j'ai, comment résoudre ces problèmes? Maman, pourquoi tu t'inquiètes aussi longtemps qu'Agatha est là? Laisse-moi entrer en contact avec les esprits et tout sera il réglé. Il faut entrer. Bien maintenant. Vas-y, entre. Maman, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. La nuit est de la raison. Laisse-moi aller manger. Je faim. C'est bon? Allô, Itié. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner ton gobelet. Essaye de t'apaiser, mon cher. On va résoudre ce problème dans l'amiable. Viens d'abord. Il n'y a pas de problème. Viens d'abord. Je vais te rappeler, d'accord? Ah, merci. Soyez les bienvenus. Hein? Mais pourquoi est-ce que votre visage est comme ça? Il y a un problème? Mon mari, tu ne peux croire à ça. Lorsque nous sommes partis, nous avons vu l'incroyable. Ma fille, qu'est-ce que ta maman veut dire par l'incroyable? Papa, nous avons vu Agathe avec une grosse Bible dans notre terre, en train de prier. Je ne comprends pas où. Agathe? Oui, papa. Attendez. Ne me dites pas qu'Agathe vous a empêché de faire ce que vous deviez faire. Les acheteurs? Quel acheteur? Papa, nous avons entendu pendant 2 heures et nous avons vu aucun signe d'eux. Aucun signe, je te dis. Et cette fille nous avait dit qu'ils ne viendront pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment? Je te l'ai dit, il va pas venir. Ah, et ça, c'est vraiment le genre d'esprit de Bianoujou. Regardez, je dois récupérer ce terrain. Quoi qu'il fasse avec cette affaire, je retrouverai mon terrain. Il faut bien Oudjou est en... Tu l'as 2000, j'irai à 4000. Je dois récupérer ce terrain. Papa, ce qui est étrange est que comment ils ont si que nous voulons vendre cette terre? C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit sa maman. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème. Oh bien, je vais me trouver sur son chemin. Et ce terrain, je dois le récupérer. J'irai partout où il faudra pour récupérer ce terrain. C'est quoi ça? Oh bien, Oudjou. Hey. Je vais montrer à Obian Oudjou que je suis plus que la puissance. Oui. Je vais en finir avec elle. Je vais montrer à Obian Oudjou que je suis plus que la puissance. Hey, elle est une femme? Je le suis. Oui, vous êtes femme, elle aussi est femme. Alors vous devez vous battre. Oui, et tu as raison, ma femme. Et tu as mon soutien, ma femme. Je crois en toi, maman. Papa, tu sais ce qui me fait le plus mal. Elle dit que la terre ne nous appartient plus. C'est maintenant. Agathe a dit ça. Je te dis, c'est ce qu'Agathe a dit. Et c'est moins que rien d'Agathe. Mais je te dis la vérité. Je ne te mens pas à tout ça. C'est ces bêtises qu'elle a dit. Oui, mon cher. En Afrique, tout va bien ici chez nous. Je vais bien. Oui. Bien. La journée, j'étais en prière. 247. Les uns qui priaient. Alléluia, alléluia, ça et là. Gloire, gloire. Baba. Parlez même ma langue. Tu vois? Ok, je vais t'appeler après. Ah. Bon après-midi. Oh bébé, comment ça va? Ça fait longtemps. Tu es venu me voir? C'est quoi? Grand frère, je t'ai apporté une bonne nouvelle et je veux qu'on discute sur ça. Ok,
C'est bien, je te pète l'oreille, dis-moi, je t'écoute. Mon frère Pico, je veux qu'on partage la parole de Dieu. La Bible dit, on ne joue pas avec les faits de Dieu. Et la vision est la chose la plus importante qu'on a besoin dans nos vies. Alors, la manière dont tu conduis ta vie, tu es tellement distrait que tu risquerais de mourir sans le savoir. Regarde tout ce que tu as sur toi. Le chêne à gauche, à droite sur ta figure. Tu ne sais pas que tu bloques ta vie toi-même. Toi-même, tu bloques ta vie. Est-ce que c'est bien? Avec beaucoup de choses comme ça. Oh, bébé, pourquoi tu vois les choses toujours dans le sens négatif? Tu veux toujours parler de l'envoûtement, des mots, distractions. Parler en langue, matin, soir. Ça te rend folle. Frérot, pardon. Je parle de tout ça. Tu dois enlever ça. Quoi? C'est pas bien. Tu vois pas? Ça? Toi, ce que tu vois et me dire d'enlever seulement ces tatouages? $500, tel que tu le vois. Ça vient d'un géant indien que tu ne peux pas connaître. Ça, c'est propre aux Africains. C'est ça être non, africain. C'est écoute, ma ça, valeur. C'est comme les Indiens, ce sont eux qui font ça. Hein? Tout ce que tu as mis sur la figure là. Oh, vraiment, tu es comédienne. Toi, tu es vraiment comédienne. Tu dois enlever tout ça là, sinon je vais envoyer le feu. Tu as besoin de la délivrance. Tu es vraiment une fille comédienne. En tout cas, je m'en vais. Je m'en vais. Est-ce que cet homme est vraiment normal? Il ne manquera pas tous les demandes de la terre sur lui. Oh, Balim. Chica, Chica. Maman? Ah! Tu n'as pas entendu que je t'appelais? Maman, je n'ai pas entendu, je suis désolée. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Prends cet argent, va le remettre à Mamoudé. Maintenant là même, c'est urgent. Oh, maman, je ne peux pas partir maintenant. Tu vois bien que je fais la lessive. Pars d'abord. Dès ton retour, tu viens continuer à faire tes habits, non? Oh, maman, je ne vais pas arrêter ça. Mais tu avais dit que tu iras toi-même, non? Agathe est partie pour la délivrance, non? Oh, maman, à chaque fois dans cette maison, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Elle combat notre combat. Elle nous soutient spirituellement. C'est ce qu'elle fait. Toi, tu le fais. Tu sauras même un jour. Va donner cet argent. Si tu veux, tu peux laisser. Et tu verras ce qui va arriver. Oh, pardon. Moi, je lave mes habits. Je veux pas, moi, pardon. Ouais, je t'interdis avec cette bouche-là de parler. Je t'interdis. Oh. N'importe quoi. Jessica, j'arrive. Viens, nous courons derrière le temps. Je sais. Juste une minute. Oh, bébé. Comment tu me trouves? Ça, c'est bon. Tourne un peu. Très bien, c'est bien ça. Merci. Es-tu sûr que Junu va m'apprécier comme ça? Ça ne fait rien. Tu es bien habillée. Allons-y. Oh, bébé, tu es bien habillée. Élégance, magnifique. Allons-y, bébé Jessica. Ma soeur, cette histoire est vraiment tragique. Pendant tous ces temps, c'est ce que tu as vécu? Oui, tu as compris. Ça, c'est mon 20e mariage. Tu as épousé le premier mari, le deuxième mari. 3e, 9e, jusqu'au 20e. Obarema.
Et c'est parce que tu es pour tout le monde. C'est pour cela que tout ceci t'arrive. Voilà, ça c'est le bon moment pour toi d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tout ceci ne va plus t'arriver. Tu sais, hein, tu n'allais même pas arriver au 10e. Si tu continues comme ça, tu continueras à compter les hommes. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 20e. Non, ce n'est pas du tout normal. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Et comme tu as décidé de venir vers Dieu, sache que ce Dieu-là te donnera du repos. Maintenant, prends maintenant ta vie au sérieux. Tu as déjà un mari à la maison, mais tu continues d'aller chercher les autres juste parce que tu es charnel. Tu es une femme charnelle. Et même quand il s'approche de toi, tu ne sais même pas te rendre belle. Tu ne sais pas t'arranger, même arranger ta tête. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester. Ça, c'est l'opportunité pour toi de gagner 20 villas au ciel. Tu as 20 hommes dans ta vie. Tu as 20 villas. Tu dois les convertir. Amène-les chez Dieu. Prie pour eux. Et si jamais tu pries pour eux, Dieu va te bénir. Et tu verras, un va rester. Es-tu prête à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, je suis prête. Tu es prête? Je sais que Dieu est content là-bas au ciel. Maintenant, tu dois enlever cette tête-là parce que tu deviens... Tu as tes cheveux naturels. Regarde comment tu es belle. Pourquoi tu te déranges à mettre tout ça? Ça, c'est diabolique. Avec ça, même si on priait pour toi, les démons vont toujours revenir. Maintenant que tu viens d'enlever ça, avec ce que tu as touché dans ta main, tu peux maintenant bien servir ton Dieu. C'est vrai. Oui, mais attends, tu dois d'abord enlever aussi ça. Ça aussi, c'est un serpent. C'est du scorpion. Enlève-moi tout ça. Enlève ça. Enlève-moi tout ça. Enlève tout ça. Il faut enlever ça. La Bible l'appelle de mauvais esprit. Et si tu veux hériter le royaume des cieux, il faut se débarrasser de tout ça. C'est ce que la Bible dit. Tout ceci, c'est pas bien. Ce sont des choses diaboliques. C'est pourquoi... La Bible nous demande de nous débarrasser de ça parce que ce sont des démons. Parce qu'à partir de maintenant, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors écoute, ce que tu vas faire, va briser de l'eau, prends une douche, sanctifie-les avant de te laver et puis viens. Demain, nous irons évangéliser. Arrange très bien tes vêtements. Maman, nous sommes victorieux avec notre Dieu. Nous serons toujours victorieux. Vous êtes de retour de votre évangélisation. Comment ça s'est passé? Très bien. Je voulais prier pour le village aujourd'hui. Tu peux pas imaginer les gens qui m'écoutaient. Tout le monde a écouté mon message sur le Saint-Esprit. Obarima! Ima! Obarima! Ima! Obara! Ima! Hey, maman! Elle, c'est ma disciple. Son nom, c'est Sœur Faveur. Tu as aussi donné ta vie à Jésus-Christ? Ah, maman! C'est pourquoi Dieu m'a choisi. Ma mission est d'aller très loin, même chez les Indiens. Je dois prêcher, même les Canadiens. Même les Chinois. Maman, même les Chinois. Et tous, même ceux de Togo. Et tous, maman, je dois. Le chemin est très long. C'est vrai? Oui. Très bientôt, ministère à Gata. Ça va s'épanouir très très bien. Obara! Ima! Obara! Ima! Hey! Sois les bienvenus, ma chérie. Merci, maman. Et je pense que Dieu va toujours bénir ton ministère. Amen. Merci, maman. Mais sois le bienvenu. Merci, dans notre maman. Tout cela, ma fille Agatha, amène dans cette maison. Sois automatiquement acceptée. Merci, maman. Hein? Merci, maman. Ça, c'est ta maison. Merci, maman. Sois la bienvenue. Prophétesse, je dois partir. Il fait tard. N'oublie pas que l'évangélisation demain sera à 5h du matin. Matin, oui, maman. À 4h juste. Oui, maman. C'est pas très tôt. Maman, il y a un esprit têtu qui continue de résister. Il refuse de mourir. Nous devons l'attaquer très tôt le matin. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc, à 5h du matin, nous allons le tuer. Ok. Je peux partir avec toi? Eh, maman, non. Moi, je pars me battre. Même celle-là, elle doit très bien s'apprêter. Sinon, on va l'éteindre bien.
parce que le combat de demain sera fort. Tous sont déjà morts, c'est moi celui-là qui ne veut pas mourir. Le travail était très fort, tout le monde était d'accord, mais seulement celui-là. Mais je t'assure demain, qu'il le veuille ou non, il va mourir. Barima. Ima. Nguano. Maman, bonne nuit. Bonjour, saluez vos gens pour moi. 5h du matin. N'oublie pas, je te crois, ma disciple. Oh, maman. Bienvenue, ma fille. Merci, bienvenue, maman. Servante de Dieu. Hein? Maman, servante de Dieu. Maman, servante de Dieu. Oh, maman, je te bénis. Sois bénie. Nous devons parler. Comment nous devons changer les choses? Mais oui, la façon dont nous vivons, ce n'est pas du tout bien. Je suis fatiguée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il propose dans ça? Ça, c'est la liste de comment nous devons travailler entre moi et combien Agatha. De fois je t'ai averti de ne pas chercher à ce que ta soeur puisse faire le ménage, hein? Elle a l'appel de Dieu et tu sais qu'elle m'aide aussi à la boutique. Hein? Je ne suis pas la seule personne à travailler dans cette maison. Tout le monde est censé travailler. Voici ma liste. Je finis. Merci. Reviens ici, Chika. Je n'ai pas fini de parler, oh. Chika! C'est quoi ça, maman, non? Maman, laisse-la. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Maman, tu ne vas pas comprendre. Il faut regarder certaines choses. Je veux dire dans un yeux. Le combat spirituel. Spirituel. Voilà. Obarema. Protection. Obarema. Ça ne va pas dans sa tête. Obarema. Si elle savait, maman, elle allait même me laver. Elle allait laver même mes sous et tout ce qui m'appartiennent. Elle ne laissait pas. Maman, je vais arrêter. Non, il ne faut pas arrêter. Oh. N'arrête pas. Oh. Maman, je vais arrêter. Je ne saurais pas le faire seule. N'arrête pas. Je vais arrêter d'essuyer la maison. Comme ça, elle sera contente. Tu veux me tuer? Maman? Bonjour. Bonjour, Izu. Où vas-tu? Ok. Et tel que vous l'observez, je suis en train de partir à l'évangélisation. Et tu as ignoré ce que je t'avais dit ce jour-là. Tu l'as ignoré. Hein? Izu, tu n'iras nulle part ce matin. Oh. Regarde, maman, laisse-moi te dire quelque chose. Et tu vois exactement ce que tu es en train de combattre aujourd'hui. C'est pourquoi toutes ces femmes sont en train de prier matin, midi, soir, afin d'avoir des enfants comme moi. Hein, c'est quoi le problème? Et tu penses qu'il est facile d'avoir un fils comme moi qui à tout moment cherche la face du Seigneur? Il ne fait que prier afin de trouver une place dans les cieux. Est-ce que c'est normal ça? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Oh non, mais non, mais non. Ne sais-tu pas que ta vie est en danger, Izu? Je ne te laisserai aller nulle part. D'abord, qui t'a dit que ma vie est en danger? Tu ne sais pas. Maman. Maman. Tu cherches des problèmes, hein? Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. Vas-y juste à la maison et assis-toi. Il est honteux que je me batte contre toi. Mais laisse-moi seulement partir. Je suis couvert par le Très-Haut, mais tu me cherches là. Oh, ma soeur, bon après-midi. Bon après-midi. Est-ce que Agatha est à la maison? Agatha, est-ce qu'elle est là? Hein? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Regarde, c'est moi toujours, Izu. Est-ce que j'ai changé? C'est toujours moi, hein? Je sais que c'est toi, Izu. C'est toi qui t'étais enfui et l'avais laissé presque mourante à la rivière. Oh. Hein? Et c'est ton problème? Oui. Tant pis. Alors, j'allais mourir avec vous? Ou j'allais mourir avec elle? Ou encore, j'allais mourir avant elle? Regarde, tu dois vraiment te calmer, oh. Tu dois vraiment te calmer. Et tu sais comment j'ai pu persuader ta sœur? Tu sais comment j'ai pu stopper Agatha?
de prendre ces trucs-là, elle m'avait ignoré. Elle a pu insister jusqu'à prendre l'objet. Et quand elle a pris l'objet, je l'ai enlevé. C'est avec tout ça que vous voulez que je meure. Vous voulez que je meure. Alors calmez-vous. Hein? Tu vois, tous ces villageois ont des pouvoirs surnaturels. Tous ces villageois sont très puissants spirituellement. Je pensais qu'Agatha allait mourir. Et brusquement, j'ai appris que rien ne lui est arrivé. Et comme quoi, elle a tout détruit. Et maintenant, elle est bien portante. En faisant ses affaires et prêchant dans la paix. Et maintenant, j'ai dû conclure qu'il n'y a absolument rien de grave. Elle est suffisamment bien portante. Tout se passe bien. Et voilà que je suis revenu. Alors, on continue de là où on s'était arrêté. Tu sais que tu m'étonnes. Comment tu peux croire à tout ce que Agatha t'a dit? Mais toi, tu sais ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que tu veux rester pauvre pour tout le reste de ta vie? Oui, comment veux-tu continuer à rester locataire? Et quand tu iras au ciel, tu deviendras locataire là-bas. Et tu veux continuer à payer le loyer même au ciel. C'est quoi ton problème? À quoi est-ce que toi tu crois? Il semble que nous n'avons presque rien. Et ce qu'on peut nous donner, en tout cas, la chambre ne sera pas un problème. C'est quoi ton problème? Ouvre tes oreilles à cette prédication. Ouvre tes oreilles. Ta sœur est très proche de toi. D'ailleurs, tu étais supposé nous joindre afin qu'on continue à prêcher les gens. Parce que la richesse est là. Ezo, va et lis très bien ta Bible. Agatha n'est pas là. Elle est allée évangéliser. Hmm? Oui. Laisse-moi te dire. Au moment où tu continues à douter, dans la maison de mon père... In my father's house. There are many mansions there. In my father's house, Abu. Va et lis très bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Alléluia. Oh, tout le monde, ouvrez très bien vos oreilles. Oh. Ouvrez-les très bien et écoutez la voix du Seigneur. Le voici Alléluia. En train de frapper devant Jésus, vos portes. Répentez-vous. Moi, votre Seigneur Jésus, je suis là. Je me tiens devant ta porte et je frappe. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez la voix de Dieu. Répentez-vous, bien-aimé. Oh, Jésus est venu aujourd'hui. Il est venu pour vous sauver. Oh, bien-aimé, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est votre jour. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, bien-aimé, le royaume des cieux est proche. À quoi bon de gagner tout sur cette terre et de perdre le royaume des cieux? Bien-aimé dans le Seigneur, répentez-vous. Dieu nous voit, bien-aimé. Dieu voit tout le monde sur cette terre. Oh, frère Izu. Oh, ça fait longtemps, hein? Très longtemps. D'où viens-tu? J'étais dans les environs. Comment tu vas? Je vais bien, oh. Mais... où étais-tu passé? Tu sais, c'est une très longue histoire. Oh. Une très, très longue histoire. Mais je vais la rendre courte. Grâce à Dieu, je suis de retour et je suis très heureux. Alors, continuons de là où on s'est arrêté. Hein. Et vous savez, je suis très heureux que l'évangile soit en train de bouger dans le bon sens. Ouais, je ne peux pas arrêter parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Et nous devons continuer d'évangéliser. On ne peut pas stopper. Elle sait... la sœur Faveur, elle prie avec moi maintenant. Depuis que tu m'as abandonné l'autre faubourg de la rivière parce que je t'avais donné le message des dieux, tu as refusé de le faire. Une nouvelle disciple. Oui, j'en ai maintenant. Je suis maintenant. Alors, laisse-moi te dire une chose. Tu sais qu'en réalité, c'était toi que Dieu avait donné la mission d'aller dans ces sanctuaires. Ce n'était pas moi. Hein? C'est juste que tu m'avais entraîné dans ça. Hein? Et j'espère qu'elle fait très bien son travail. Je ne comprends pas. Elle fait ce qui est demandé. En fait, je suis en train de parler de l'œuvre du ministère. J'espère qu'elle est en train de gagner des âmes pour que Dieu puisse la couronner. Car j'espère que personne ne touchera ma couronne dans le ciel. Elle a le Saint-Esprit. Comment ça? Je ne sais pas qu'en est-il de ton cas. À cause de la petite mission que Dieu nous avait donnée d'aller récupérer ses balles. Et tu es parti pour de bon. Tu as démissionné et Dieu m'a cherché. Mais qui t'a dit ça? S'il te plaît. Je ne fais pas de problème avec le ciel. Oh. Laissez-moi récolter le fruit du travail que j'ai abattu. Oh. C'est quoi le problème? Connaissez-vous combien de gens, combien d'âmes j'ai gagné?
Vous savez combien d'âmes j'ai gagné dans le ciel? Et la bêtise que vous trouvez bonne à me dire, c'est qu'on veut donner ma maison à quelqu'un. Je connais très bien ma fondation, je connais très bien l'élévation, ainsi que la toiture. Je connais tout ce qu'il y a dans cette maison. Alors arrêtez avec vos bêtises et me dites qu'on va la partager. Avec qui? Et bien, allez-vous-en. Mais tu avais décliné, et non? Tu parles de quoi? En tout cas, je ne veux pas avoir de problème. Je ne veux pas avoir de problème avec le diable, pardon. Je veux la paix, s'il te plaît. Ah, ce que tu dois faire, c'est seulement prier. Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? On ira où? Comme ça, je vais continuer mon travail afin d'être suffisamment couronné comme Dieu l'avait promis. Je vais aller chez Amata. Je pense que cet endroit n'est plus approprié. Allons-y, hein? Comme ça, tu vas prendre le temps d'écouter ton message. Toi, je pense que tu ne peux que rester là et commencer par quoi? Regarde, s'il te plaît, allons-y. Et toi, là, tu viens à peine d'arriver. Qu'est-ce que tu sais sur la Bible? Et toi, qu'est-ce que tu sais sur la Bible? Est-ce que tu sais quelque chose sur la persécution des chrétiens? Tu sais comment ils ont souffert après la mort de Jésus? Et qu'est-ce que tu sais sur l'adoration et la prédication? Et tu es là pour intimider les gens? Fais attention. Allons seulement prêcher, s'il vous plaît. Hein? Vous savez, j'aime beaucoup la prédication. Et je ne laisserai personne prendre ma place dans le royaume des cieux. Quelqu'un comme toi. Hein? Tu veux bénéficier de ce que j'ai abattu comme travail? Hein? Ouzi, d'où viens-tu? Ok. Tel que tu me vois là, je viens de prêcher, tu vois. J'étais avec Ozi Omar. Comme ça. Quel service dédié! Ne me dis pas que tu proviens de chez Agathe encore. Maman, regardez, correction. Je n'apprécie du tout pas la façon dont tu vois cette fille. Et tu vois Agathe comme une fille ordinaire. Et tu ne connais pas cette fille. Cette fille a du pouvoir. Et tu vois cette fille-là, lorsque tu la regardes en face comme ça, tu sens la puissance. Et tu peux même tomber. Et tu oublies que c'est même Agathe qui te combat pour te tuer. Et je ne veux pas que tu aies encore un problème avec les gens. Maman, calme-toi. Personne n'est en train de foutre son nez dans des problèmes. Hein? C'est plutôt moi qui l'avais follement fui. Et pensant que toutes ces choses, ce sanctuaire avait du pouvoir. Ignorant que toutes ces choses n'étaient qu'une décoration. Rien que la décoration, rien n'avait du pouvoir. Il n'y a rien, absolument rien. Rien ne marche là. Et cette Agatha que tu regardes comme ça, elle a du pouvoir. 10 fois plus que tout ce que tu peux voir dans ce village. Toute puissance, toute principauté. Et donc, ne la vois pas comme ça. Izu, si sa puissance était grande, donnez-lui, livrez-lui tous ses mondes. Je ne veux plus te voir avec cette fille, Agatha. M'attends-tu? Maman, tu sais que tu ne peux pas m'empêcher d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Et ça, je ne négocie pas. Mais tu vois, toutes ces choses, toutes ces plaintes que tu es en train de mettre sur ma tête, je ne pense pas que ça va marcher. Oh. Alors, il est mieux que tu vois ça. Ça ne marchera pas car ça n'a aucun pouvoir sur moi. Ok. On verra. Si c'est toi qui m'as mis au monde ou c'est moi qui l'ai fait avec toi. On verra. Maman, tu m'as mise au monde quand j'étais petit. Hein, un tout petit même. J'ai mais tu n'es pas mise au monde comme j'ai ceci, fini maman. Avec toi. Mais par rapport à tout ceci, maman, en tout cas, c'est de calmer. Vous risquez de devenir égougou. Égougou, alors faites attention. Il est mieux de rester loin de ça. C'est à moi que tu parles ainsi. Maman. Maman, laissez-moi calme. Je n'apprécie pas ce que vous faites. Maman. Laissez-moi tranquille, maman. Tu n'iras nulle part. Maman, regardez, nous avons une convention, maman. Laissez-moi d'abord, oui, maman, pardon. Oui, dis-moi où est-ce que tu vas. Parce que je vais aussi partir ensemble avec maman, nous aujourd'hui. Avons une convention. Nous avons une convention, mais maman, tout le monde sera là. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que j'y aille? Et c'est tout le monde qui va y participer, pourquoi pas moi? Ne veux-tu pas me suivre au champ? Je suis un agriculteur. Je ne suis pas un cultivateur, maman. Allez récolter vos histoires seules. Je ne suis pas là-dedans. Je ne veux pas des problèmes. Et si tu n'iras nulle part? Maman? J'ai dit que tu n'iras nulle part. Maman, vous cherchez un problème. Tu n'iras nulle part. Laissez-moi. Tu n'iras nulle part. Hein? Alors je vais vous montrer quelque chose. Laissez-moi. Mais c'est quoi votre problème? Pourquoi vous me dérangez comme ça? Hein? Et si tu m'as poussé par terre? Tu m'as poussé par terre? On verra. Je suis ta maman. Cet enfant m'a poussé. Il m'a poussé par terre. Ok. Frère Izo. Agé. Oui. Où est la sœur Faveur? Es-tu prête? Je suis là, je t'attends avec la sœur Faveur. Je voulais même venir chez toi. Ce n'est plus facile pour moi de venir ici régulièrement.
actuellement, c'est venu très difficile. C'est ce que j'y pensais. Je voulais même envoyer des gens pour t'appeler parce qu'il est déjà temps pour aller évangéliser. Faveur, tu ne connais pas Faveur. Faveur n'a jamais été ponctuel. Je te dis, elle n'accorde jamais son temps à des choses sérieuses. Et tu vas toujours la chercher. À tout moment que tu auras besoin d'elle, tu ne la verras pas. Et j'ai fini par conclure que Faveur n'a pas de temps sur ce que nous faisons, cette mission. Tout ce qui concerne cette mission, elle n'a rien à faire avec ça. À chaque fois que tu vois Faveur, elle parle toujours de la pauvreté et de la richesse. Et je prends mon temps maintenant, alors je dois me concentrer sur ma propre mission. Donc c'est comme ça que ça se passera. Ok, mais toi aussi, tu as mis beaucoup de temps. Et ce n'est pas facile pour moi de venir à chaque fois. Les choses sont difficiles, plus comme avant. Tu comprends? Ok, frère Izu. Alors, quand tu attendais Faveur, pourquoi tu n'as pas profité de méditer pour savoir le passage que tu vas partager avec les gens? Je crois que tu as raison, c'est très important. Regarde, on va faire comment alors? La Bible est dans quel passage? Ma sœur, ce Malachi, c'est 3 pages avant la fin de la Bible. Regarde, tu verras, je te dis vrai. 3 pages avant la fin de la Bible. Là, on dit ceci. Apportez le 1/10 de tout ce que tu gagnes dans la maison du Seigneur, de telle sorte que tout le monde dans la maison du Seigneur trouve de quoi manger. Alors montre ça, c'est ce qu'on va prêcher. On cherche ça. 3 pages avant la fin de la Bible. Apporte ça, même si on te donne quoi que ce soit, même si tu as ta propre mission, mais le 1/10, et que tu sois le porteur de l'œuvre du Seigneur, le 1/10, apporte-les à la maison du Seigneur. Ainsi dit la Bible. Regarde, ça se trouve là. Je n'ai jamais su qu'une telle chose existait dans la Bible. Servante, cherche. Cherche là-bas, non? Et tout ce qu'on peut dire ici, d'abord le 1/10, cherche là-bas, 3 pages avant la fin de la Bible. Je ne sais pas que la Bible parle de cette servante. Tu as la Bible ici, ouvre et cherche. 1, 2. Agatha, 3 pages, et attends. Je n'ai pas vu Asa et ce que tu dis là. Mais j'ai vu le testament. Attends, Nouveau Testament. Et l'autre servante qui est sortie. Ce n'est pas avec ce sens. Tourne la Bible, tourne-la d'abord comme ça, tourne-la. Très bien, alors lis. Maman? Bienvenue. Et pourquoi tu avais verrouillé la porte comme ça? Je ne peux plus regarder mon fils. Maman, je suis vraiment désolée de t'avoir poussé la fois dernière. Vous savez, maman, vous ne m'avez pas laissé le choix. Izu, dis-moi, si c'était moi, ta mère, qui t'avait poussé? L'enfant que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Non, maman, laissez-moi d'abord vous demander. À tout moment, le ventre, je vais porter dans mon ventre pendant 9 mois. Et où est-ce que tu devrais normalement me porter? Tu devais les faire aux pieds? Toutes les autres mères portent leurs enfants dans la tête? Ou elles les font avec la bouche? Maman, laissez cette aventure, non? Vous, votre mère ne vous a pas porté pendant 9 mois dans son ventre? Ou tu es la première à l'avoir fait? Sais-tu que j'ai fait toutes ces choses juste pour toi? Pas de sécurité. Sais-tu que cette fille a un grand problème avec moi? Et je ne veux pas que tu aies un problème avec elle. Je refuse. Maman, parlons de l'attaque, du danger et de toutes ces choses. Oublie ça. Sors de là. Sors de cette illusion. Il n'y a aucune sécurité. Laisse-moi te demander, quand ça avait bardé dans le sanctuaire, est-ce que tu étais là? Et tu étais là pour m'amener à la maison. Avant que ce danger m'arrive, j'étais déjà à la maison, non? Et calme-toi, rien ne m'arrivera. Ah, mais toi, tu te plains beaucoup, hein? J'ai dit que je suis désolée, je suis vraiment désolée de t'avoir poussé par terre, pardonne-moi. C'est déjà passé, j'étais... Alors ouvre la porte. Vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un de très brutal, vous le savez très bien. Vous savez très bien, j'aime bien la paix. Mais ouvrez la porte, non, qu'est-ce que je vous ai fait encore? Allez! Hey, Izu. Mon fils, c'est quoi? Merci, mais je n'ai pas faim. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas faim? Ok, je suis en train de gêner. Je gêne. Tu gênes? Oui. Tu gênes pourquoi? Maman, regarde, nous avons une convention qui arrive. Alors nous sommes en train de gêner tous des pionniers de notre ministère Rema, dirigé par notre sœur.
la porteuse de vision, la sœur Agatha. Donc tu veux pas manger cette nourriture? J'ai envie de manger, j'en ai vraiment envie, mais je ne mangerai pas. Parce que je suis en train de gêner pour le bien de notre convention. Je suis vraiment désolé, je ne mange pas. En tout cas, c'est pas grave. Vous pouvez toutefois le manger, non, maman? Tu es en gêne. Maman? Izu, es-tu de retour? Oui. Bienvenue. Maman, s'il te plaît, j'ai vraiment faim. Est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Il n'y a rien à la maison, je n'ai rien préparé. Et est-ce que tu dis quoi? J'ai dit que je n'ai rien préparé. Si j'ai préparé, tu vas me dire que tu es en train de gêner. Je ne vais pas jeter la nourriture. Maman, s'il te plaît, je n'apprécie pas ça, je n'apprécie pas. Est-ce que c'est chaque jour qu'on gêne là-bas? S'il te plaît, donne-moi la nourriture, je ne fais pas de problème. C'est peu que tu sois en train de me maltraiter comme ça. Oui, mais tu ne veux pas me donner la nourriture, donc tu veux que je puisse développer beaucoup de maladies. Alors, apporte tout ce que tu as prévu pour que je mange. C'est quoi le problème? Attends, Izu. À ton âge, tu ne penses pas te marier? Je suis supposée rester là pour préparer pour toi, Izu. Tchaï. J'allais être surpris si tu n'étais pas ma maman. Mais tu connais absolument tout. Maman, tu m'as donné naissance. Tu connais très bien mon âge. Un petit garçon comme moi et tu veux que j'aille me marier? Si ce n'est pas seulement ce monde qui tournait très rapidement maintenant, ne devrais-je pas être en train de finir mes études primaires maintenant? Je serai en train de finir mes études primaires et j'entame l'école secondaire. Hein? Mmh. Et là, tu es en train de pousser à aller me marier. Avec maman, toute la barbe que tu as là, c'est ça? Izu, continue de te distraire, papa. Ne pars pas te chercher une maman. Femme. Tu veux que je prépare pour toi pour des bons. Donc, tu ne veux pas te marier. Maman, tu me pousses. Oh. À mon âge comme ça, tu me pousses. Va te marier, va te marier. Si ça arrivait maintenant, tu seras encore celle qui me poussera. Non, sors de ces mariages, sors de ces mariages, sors de ces mariages. Tu seras encore en train de me déranger de cette façon. Mais pendant que je suis célibataire, tu me pousses. Je vais toujours te pousser. Et comme si mon père t'a épousé à 14 ans. Arrêtez de parler beaucoup comme ça. Venez juste me donner la nourriture. N'importe quoi. Viens me manger. Je ne veux pas ma nourriture. Je viens te donner. Tu me dis, je suis en gêne. Je suis gêne encore. Izu, va gêner, non? Sacrifie-toi pour Dieu. Chica, dépêche-toi. Tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle parce que je viens de voir une vision. J'ai un message pour toi que Dieu a envoyé. C'est quoi le message? Chica, Dieu m'a demandé de te dire de danser parce que ta prière a été exaucée. Tous tes cris ont été écoutés et voilà, il est descendu pour toi. Tu n'as qu'à croire parce que ta prière a été exaucée. Il t'a pas dit c'était quoi mes cris? Il n'a pas besoin de me dire tous tes cris. Il voulait juste te préparer parce que tu ne pouvais pas rester comme ça. Tu as besoin d'un homme qui va te compléter. Tu vas quitter la maison de ton père et de ta mère. Ensemble, vous deviendrez une seule chair et Dieu m'a demandé de te dire qu'un homme est déjà prêt pour toi. Alors, bientôt tu vas te marier. Agatha, je ne te blâme pas. Agatha, tu fais tout pour m'insulter. Mais pas de problème, je ne te blâme pas. Chica, mais c'est... Ce n'est pas une insulte. Je t'ai juste passé le message que Dieu m'a donné. Que tu le veuilles ou non, c'est ton message. Ah, c'est quoi le problème? Agatha est à l'écoute de Dieu et Dieu m'a donné le message. Je te dis, tu ne veux pas me croire. Il n'y a pas de problème. Bébé, oui. Regarde. Waouh! C'est ça. Oh, j'aime en tout cas. Oh, oh okay, c'est cool. Je vois. Waouh! C'est là aussi. Uh-huh. Oui, ça c'est bien. C'est vraiment bien. J'aime. Oui, je te l'envoie. En tout cas, c'est très bien. Bon après-midi. Bon après-midi. S'il vous plaît, est-ce que Agatha est là? Quoi? Agatha. Tu veux dire Edgy Baby? Non, pas Edgy Baby, oh, Agatha. Cette femme-là qui porte la grande Bible, celle qui porte la grande Bible. Oh, cette fille-là, elle est sortie. Hein? Elle était partie avant que tu viennes. Elle est partie. Elle est partie. Elle était sortie. Elle est partie. Ok. Elle est sortie. Oui.
Toi, tu es où? Hein? Toi, c'est qui? Ok. Je m'appelle Izu. Oui, Izu. Non. Qui y es-tu? Non. Izu. Attends, mais qui où es-tu? Non, mais vous détruisez la langue française. On dit qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Oui, qui es-tu? Je m'appelle Izu. 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 Oui. Mon nom, ce n'est pas Izu. Mon nom, c'est Izu. Ozu. Non, Izu. Oh. Izu. Ah, ok. Ok, qui es-tu? Okay. Izu. Izu. Je suis un croyant de l'éternel. Alors, qu'en est-il de votre cas? Hein? Nous également, nous croyons. Oui. Oui, je l'ai appelé, mais il ne décroche pas le téléphone. Tu dis? Je l'ai appelé à plusieurs reprises, ne décroche pas toujours le téléphone. Donc, tu as appelé Dieu par le téléphone? Oui. Hey, vous voyez? On n'appelle jamais Dieu par le téléphone. Comment est-ce que tu pouvais faire pour appeler Dieu par le téléphone? Est-ce que tu crois? Il n'a pas de téléphone? T'inquiète pas, je peux lui trouver un téléphone. Oui, c'est ça. Mais mon iPhone. Oui. Vous allez acheter un téléphone pour Dieu? Oui. En tout cas, vous êtes vraiment des comédiens, vous deux. Alors, regardez. Mon frère, d'ailleurs, je te reconnais, je crois t'avoir déjà vu une fois. C'est vrai? Oui, je t'ai déjà vu avant, oui. Je t'ai déjà vu dans mon livre d'histoire biblique. Oui, avec tout ce que tu as sur ton visage, je crois déjà t'avoir vu dans mon livre d'histoire biblique. Ça, c'est le valeur africaine. Ça, c'est propre aux Africains. Je t'ai déjà vu Samson avec ta Delila à côté de toi. Samson et Delila. Regardez. Et cette fille va te tuer. En fait, une femme, des chances de femmes comme toi, veulent tuer beaucoup d'hommes. Je sais. Vraiment tu peux le dire encore. Je sais. Il est juste petit. Tu ne regardes pas sa taille et son élégance. Voilà, je suis la diable plus forte. Delila. Juste en quoi, il n'y a aucune envie de sortir avec toi. Tu sais, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que je suis très forte. Je le sais. Mon frère, écoutez un peu. Regardez, s'il vous plaît. Vous devez donner votre vie à Jésus. Savez-elle que je suis là? J'ai quelque chose à gagner si vous la donnez à Jésus. Alors, laissez-moi vous expliquer. Non. Je ne peux pas donner ma vie maintenant. Je vais mieux expliquer. Tu veux donner ta vie à quelqu'un? Si vous donnez vos vies à Jésus, il y a une mention que je gagnerai. Une référence? Oui. Tu peux nous fournir de l'argent? Oui. Moi particulièrement, je gagnerai beaucoup. Nous allons faire de l'argent, nous deux. Non, mais je prends mon téléphone, comme ça tu vas écrire cette référence. Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Laissez-moi vous montrer comment les choses se passent dans la Bible. Oh, c'est encore la Bible. Je sais très bien que vous ne connaissez rien à propos de la Bible, alors je vais commencer où la Bible a commencé. Car tu ne connais rien sur la Bible. En Genèse 1, ça marque le début de toute la Bible. Écoutez, au commencement... Hein? Était la parole. Ça, c'est un style africain. Qu'est-ce que tu dis? Au commencement, était la parole. Au quoi? Tu parles de quoi? Au quoi? Hey! Oh, qu'est-ce Dieu, que tu dis? Vraiment, comment tu m'as mis devant ces gens, des gens incrédules? Mais, qu'est-ce que tu dis? Au commencement, était la parole. Je ne te saisis pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Advance from my family. I cannot tell it all. Oh glory, hallelujah! He is coming to take. Mama, don't so much for me. I cannot tell it all. Oh glory, hallelujah! He's coming to take me. I say more. He has done so much for me. Hey, I cannot tell it all. Oh glory, hallelujah! He's coming to take me. Oh, Adi, maman. La joie aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, l'histoire, je pense qu'elle n'est pas mauvaise. Maman, ce n'est pas à propos de ce que tu dis. Parce que Dieu m'utilise pour détruire tout ce qui n'est pas bon dans ce royaume. Je sais. Hey, maman. Oh, Baba, hey, que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit Alléluia. Loué. Alléluia. Que Dieu soit, Alléluia. Hey. Maman, je vis la délivrance. Hein? Je vis l'esprit de Karachika. Hey. L'esprit de Bangbolo. L'esprit démoniaque. L'esprit de serpent. L'esprit de scorpion. Tous les esprits, je les ai vus. Pion, pion. Bien, bien, tout est sorti. Que Dieu alléluia. Soit oh, alléluia.
Ma chérie, regarde. Oui? Mais qu'est-ce qui garde Agatha en paix? Elle arrive. Peut-être elle fait quelque chose à l'intérieur. Je suis fatigué, oh. Faveur. C'est quoi ça? Faveur, regarde. Et tu dois vraiment t'apaiser, oh. Et ta façon de porter ce ministère sur ta tête, là, tu dois quand même t'apaiser. Alors, laisse-moi te rappeler. Et tu n'es pas celle à qui Dieu a remis cette mission. Mais c'est à Agatha. C'est à Agatha que Dieu a redonné ce manteau. Nous sommes juste ses arrières. Ce n'est pas qu'à tout le moment tu sois en train de prendre ces ministères comme si tu étais avec les manteaux. Et parfois, il faut vraiment t'apaiser. Farizou, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, on dit ceci. Celui qui mange à l'hôtel, mange à l'hôtel. Voilà pourquoi c'est important de vivre comme ça. Oui. Et parfois, tu dois te calmer et arriver à te donner du temps pour vivre ta vie. Et tu ne sais pas. Farizou, qu'est-ce que tu veux? Regarde, dis-moi ce que tu veux. Tu vois la Bible que tu as présentement. Il y a quelque chose de très particulier où on dit « Allez et multipliez-vous ». As-tu déjà lu ça? Oh, donc tu as déjà lu ça? Est-ce que tu avais compris ça? Et tu n'as pas compris? Alors laisse-moi te dire. Et tu pensais que la Bible n'est frappée par des choses concrètes? Et tu penses que cette multiplication, c'est 1 plus 1, 2, 2 plus 2, c'est 4? Non! Dieu n'a pas voulu juste utiliser les mots, raison pour laquelle il utilisait multiplier, ceci, faisait ceci. Est-ce que tu as compris ça? Frère Zou, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux? Écoute, laisse-moi te dire, où veux-tu en venir? Il y a quelques places dans cette Bible-là où il est écrit qu'une femme doit quitter le toit de ses parents et aller sous le toit de son mari afin d'être en dessous de l'homme. Et en étant en dessous de l'homme, ils deviendront une même chair et un même sang. Vous connaissez la signification? Une femme, en fait, calcule ça. Et une femme quittera la maison de son père. Et ira dans la maison de l'homme. Et sera en dessous de l'homme. Et donc l'homme sera au-dessus. Et il deviendra une même chair et le sang. Tu vois? Est-ce que tu comprends ça? Tu dois te calmer. Tu sais, je t'apprécie. Et je voudrais qu'à deux, qu'on soit vraiment l'un proche de l'autre. Je veux dire la chair et le sang. Oui. Moi et toi, c'est mettre ensemble. Tu es un bébé. Hein? Oui, non? Ok. Quand Sœur Agatha va venir, tout ce que tu viens de dire là, elle le saura. Non, il n'est même pas question de lui en parler. Regarde, calme-toi. Ne me touche pas, hein? Je t'apprécie. Je voudrais que nous puissions faire de la manière du ciel, oh. Attends qu'elle arrive, tu verras. Nous serons juste à deux en train de faire ça, n'est-ce pas? Juste dans le secret. Regarde d'abord. C'est quoi ça? Tu as compris. Arrête-moi ça. Notre Dieu est bon. Oui, oui. Notre Dieu est bon, je vous dis. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, c'est lui notre seul sauveur. Et il nous a rachetés par son sang. Nous devons prier pour tous ces royaumes. Jésus-Christ est aussi un Dieu de miracles. Et ces miracles sont pour toute personne. Et aujourd'hui est une journée de miracles. Le miracle va se faire aujourd'hui. Amen. Priez, alléluia. Alléluia. Et peuple de Dieu, quand tu es né de nouveau, tu vas hériter les royaumes des cieux. Excusez-moi. Bon après-midi. Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui, mais voici. Dieu m'a donné un message pour toi. Un message? Oui. Dieu m'a dit de te dire... Il a dit que ta prière a déjà sa réponse. Tout ce que tu l'as dit, il a écouté. Le Seigneur a dit, tu as des problèmes avec des femmes. Et tu as besoin d'une bonne femme pour épouser. Tu es sûr comment que je suis dans la recherche d'une bonne femme? D'ailleurs, la fille que je comptais épouser, elle m'a fou avec mon argent. Hey! Gloire au Seigneur! Alléluia! Obala! Ima! Obala! Ima! Obala! Ima! Notre Dieu parle. S'il te plaît, aide-moi, cet endroit n'est pas bon pour moi, s'il te plaît. Ok, d'accord. Dieu m'a utilisé pour changer cette situation. Amen, amen. Je vais t'aider à trouver une bonne femme. Merci énormément. Merci énormément, femme. Mais pas pour le moment. Pourquoi pas? S'il te plaît, excuse-moi. S'il vous plaît, venez entrer. Je peux au moins vous accompagner. Vous tu ne peux pas le faire. Montez dans cette voiture. Non, le Dieu va me montrer encore la direction. Mon frère, et s'il te plaît, calme-toi une minute. Hein? D'accord, on arrive. Viens, viens d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quoi? Je te demande qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Es-tu le Dieu qui a amené ces messieurs vers nous?
Comment peux-tu me dire que nous les verrons après? Tu sais pas que notre église a besoin de cette charge de personnes. Nous avons besoin de cet homme pour avoir une permanence stable. Nous avons besoin de lui pour agrandir notre ministère. Dans notre église, on a besoin de ce genre de personnes pour s'aimer chez nous. Tu vois tel qu'il est là, il est vraiment troublé. Et il pense que tu es celle qui peut l'aider. Et tu es là en train de lui dire des bêtises que je lui verrai après. Calme-toi. Il faut savoir saisir d'opportunités dans la vie. Entre dans ces véhicules. Entre dans les véhicules. Es-tu sûr? Arrête de dire des bêtises. Ah, mon cher ami. Oui. Ouvrez la portière d'avant. D'accord. Ouvrez cette portière, elle va se mettre là. Va là-bas. D'accord, va. Venez. D'accord, ouvrez, venez monter. Ouvrez là-bas. Et passe de l'autre côté, passe là-bas. Agatha, entre. Nous allons prier et nous allons répéter le nom d'Obarima 3 fois. Obarima! Obarima! Ima! Obarima! Ima! Que chacun maintenant commence à évoquer l'Esprit de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu touche tout un chacun de nous. Hebele! Au nom de Jésus, Dieu veut commencer maintenant à faire descendre son pouvoir. Le feu de Jésus va descendre. Soyez concentrés. Allez, soyez prêts. L'Esprit de Dieu commence déjà à descendre. Que le feu le détruise. Ça entre, ça descend. Que le feu le détruise. Le feu, le feu le détruise. Oh, le feu le détruise. Descend. Brille le feu. Le feu brûler. Gloire à Dieu. Je viens m'élever contre tout mauvais esprit. Tout mauvais esprit. Obalima. Qui est dans ce corps. Obalima. Je viens m'élever contre ça. Obalima. Que l'Esprit de Dieu te consume. Le feu. Que le feu de Dieu te consume. Le feu. Oh, que le feu. Le feu. Le feu. Oui, le feu. Le feu. Que le feu te brûle. Que le feu te consume. Oh, alléluia. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Oh, le feu. Allez, que le feu de Dieu te consume. Oh, le feu de Dieu. Chaka, baba, baba. Akini, pourquoi tu arrêtes? J'aime. La prière. Avant que le mal arrive. Obalima. Tu le dis juste de dégager. Obalima. Juste, pars. Dégage, c'est là. Continuons de prier. Va dormir. Obalima. Écoute, ça, ce sont des moments sérieux. Va dormir. Mais pourquoi tu me chasses? Juste, pars. Tu n'es pas prête à faire la prière. Vas-y, tu n'es pas prête à prier. Mais c'est quoi? Je veux aussi prier, non? Juste, pars. Vas-y. Ok, pars. Ok. Vous m'avez chassé. Je ne sais pas pourquoi me chasser. Moi aussi, je vais prier. Je vais la prière. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu sais pas que ce démon-là peut te posséder? Le démon de cette stupide fille peut aussi t'entrer? À genoux, Chika! À genoux, c'est un moment très sérieux! Dieu le Père est descendu. Il est là! Allez, à genoux! À genoux! Allez, les démons! Je vous mets dehors! Les mauvais esprits! Dehors! Sortez de ce corps! Dehors! Dehors! Agatha. Maman. Tu es sûre
de ce que tu es en train de dire à propos de ces jeunes hommes? Es-tu sûr? Je suis très sûre de ces messages. Hein? Oui, cette révélation est venue comme ça dans ma tête. Je n'ai jamais imaginé un message dans ma tête. Tout ce que je dis provient de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Hey, maman. Non, mais tu m'étonnes, hein? Au barème. Emma? Personne ne cherche à savoir si je suis intéressée à cet homme. Comment je peux m'intéresser à une personne que je n'ai jamais vue? Je ne sais pas. Tu veux questionner Dieu? Chika, sois calme et laisse Dieu faire l'impossible dans ta vie. Sois calme. Relax. Attends, je m'en vais te donner un passage dans la Bible. Tu vas lire et tu vas comprendre. Je n'ai pas besoin de lire un passage quelconque. Je ne suis pas intéressée à cet homme. Et je n'aurai aucune conversation avec lui. Je m'en vais au lit. Merci. Merci. Chike, tu pars dormir? Tu pars dans... Maman, tu vois ce que j'essaye de faire pour elle? Tu as fait ce que tu as pu, ma chérie. Au lieu de saisir le temps, lorsqu'elle restera la seule fille de ce village, elle cherchera qui prier pour elle. Obara. Ima. Obara. Ima. Je lui donne un passage pour lire. Elle part dormir. Elle ne sait pas qu'elle doit utiliser l'opportunité qui se présente. Tu sais quoi? Ne te dérange pas. Si elle refuse d'accepter la prière, je veux le faire à sa place. Je suis sa mère, non? Hein? Je veux faire ça à sa place. Où maman, vas-tu? Où vas-tu? Tu parles. Comment envoyer Kennedy? Oui, maintenant je vais au ministère là. Maman, quelle bonne nouvelle. Celle-ci, c'est la femme que j'ai choisie pour toi. Aïe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Maman, ça, c'est la femme que tu as portée que je me marie. Mm-hmm. Moi. Aïe. J'espère que j'aime celle-ci. Mm-hmm. J'aime celle-ci. Mm-hmm. Je crois qu'elle est très bien. Ma chérie, tourne-toi. Tourne-toi. La seule chose pour laquelle j'aime cette fille pour toi, hein? Et tu connais très bien faire ton travail, maman. Tu sais très bien faire le choix pour ton fils. Et moi, regarde-moi, regarde-moi. Et ça, c'est la fille que tu as amenée que je puisse épouser. Ma chérie, écarte tes bras comme ça. Écarte tes bras. Et est-ce que tu peux la regarder? Regarde-la très bien. Je vois que vous êtes tellement méchante. Et parce que ça, ce sont ces genres de filles qu'on a toujours amenées dans toutes nos écoles, lorsqu'on était à l'école primaire, afin de nous enseigner les parties du corps humain. La tête est là, le tronc est là, les membres sont là, et toutes les parties. Elle n'a même pas de fesses. Et tu l'as amenée pour que je l'épouse. Maman, vous êtes vraiment méchante. Vraiment. Je suis un prédicateur. Je ne suis même pas supposé de jurer. Mais laisse-moi te dire que cette Bible ne nous demande pas de faire des vœux. Seulement dans cette même Bible, tu verras, on dit en vérité, je vous l'ai dit, ce qui a été, c'est un vœu. Donc je jure devant toi aujourd'hui, à cause de cette fille que tu as portée que j'épouse, je ne me marierai plus jamais dans ma vie. Mariage annulé. Oui, et tel que je l'ai dit, c'est comme ça que je le ferai. Tout ce qui concerne le mariage, c'est fini, oublie ça pour moi. Et si enterré, c'est mort. Izu. Le mariage est annulé pour moi. C'est fini pour moi. C'est fini. Et c'est tout. Inquiète, comme c'est tu mort. Parles là, tu vas la trouver ici. Tu dois te marier, que tu le veuilles ou pas. Izu. Maman, je t'ai entendu dire qu'il n'a jamais aimé une fille. Exactement. Mince ou grosse. Et qu'il va m'aimer comme je suis. C'est ce que je t'avais dit. Maman, c'est parce que je te respecte toi. Je n'ai jamais pris une photo et montré à tout le monde de mon village pour dire que je cherche maintenant un homme. Non. Tu as entendu ce qu'il a dit. Non. Et à moi que je n'ai oublié. Tu m'avais dit qu'il aime pointer du doigt aux personnes qui vont hériter le royaume du ciel. Je pense que c'est le choix que tu devais lui laisser faire. Pointer du doigt, c'est du ciel. Mais pourquoi tu as fait ça? Maman, j'allais pleurer. Mais tu sais pourquoi je ne peux pas pleurer? Parce que je sais très bien ce que je suis. Et il y a ce que même comme je suis. Tu sais quoi? C'est fini avec tout ça. Maman, c'est juste parce que je te respecte. Alors laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Je ne veux pas qu'on vienne encore m'insulter ici. Non. Juste viens et assieds-toi. Assieds-toi, ma fille.
Oh, wow. Bonjour, sœur Agathe. Bonjour. Frère Victor, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Tu es juste venu comme Dieu me l'avait révélé, mais je ne savais pas que tu allais venir de cette façon. Wow. C'est surprenant. Mais de toutes les façons, ça ne peut pas te déranger. J'ai acheté quelque chose pour toi et tu vas l'adorer. Prends. C'est vrai que Dieu t'a mis exactement sur mon chemin pour mon ministère. Mais ce que tu m'as apporté, je connais quelqu'un qui mérite tout ça. Attends, je vais l'appeler pour toi. Mais, je l'ai acheté pour toi. Ne t'inquiète pas, quelqu'un va le recevoir et elle sera très contente, mais pas moi. Wow. Mais c'est pour toi. J'ai dû l'acheter. Je l'ai acheté pour toi. Je sais que tu l'as porté pour moi, mais ce n'est pas destiné à moi. Alors, la personne que je vais appeler, elle va apprécier. Juste calme-toi. C'est moi qui te parle. Sois tranquille. Agatha, est-ce que c'est elle? Salut. Comment vas-tu? Je vais Alors, bien. Alors, prends tout ce que tu avais apporté et donne-lui. Bien. Mais comment, je ne comprends pas? Je sais que tu es venu dans ce village pour chercher une femme. Cette femme que tu cherches, la voilà. En tout cas, c'est surprenant. Comment ça, c'est les œuvres de Dieu. Il m'avait montré la vision avant même que ça arrive. Voici ta femme. Wow. Alors, je m'en vais évangéliser. Mon équipe m'attend. Oh. Mais on est venu te je voir. Je sais que tu blagues. Là, je ne blague pas. Allez, viens ici. Écoute, moi, on m'attend. Je dois partir. Allez, Agatha, c'est quoi les problèmes? Écoute, sois sage. Agatha. Mon nom, c'est Monsieur Victor. J'espère que tu les prends pas en sérieux. Bien, en tout cas, ces choses ne sont pas miennes. Mais personne ne peut deviner le futur. Mon nom est Victor. Chica. Ravi de te rencontrer. Ok. Tu as l'air isolé et plus réservé. Mais je ne sais pas si nous pouvons essayer de discuter, trouver une place où nous pouvons s'asseoir pour discuter. Ok, pas de problème. Laisse-moi juste changer la robe. Ok. Ça aussi. Je te le donne. Merci. Je t'en prie. J'arrive. Maman, c'est quoi le problème encore? La première femme que j'avais prise, tu avais dit qu'elle n'a pas une bonne forme. Et j'ai pris celle-ci. Regarde comment elle est. Elle a une belle taille. Maman, regarde. Je veux te demander quelque chose. Et s'il te plaît, ne cherche pas que tes choix soient collés sur moi. Mais oui, je crois que vous êtes en train de chercher à m'imposer vos choix. Et qu'est-ce que c'est que ça, non? Est-ce que je n'ai pas des yeux pour voir? Attention, relève tes mains sur mon corps. Insensé. Regarde, maman, je quitterai cette maison à cause de toi. Je ne cesse de te répéter que je quitterai à cause de toi. Et c'est, qu'est-ce que c'est, non? Même si je veux que je me marie, c'est avec ce genre de femmes que tu m'amènes. Et c'est quoi le problème? Laissez-moi opérer mon choix seul. C'est quoi le problème? Et c'est quoi le problème? Que je fasse quoi pour que vous compreniez que je veux pas? Donc je dois t'attendre, oui? Que tu fasses un choix? Oui. Hein? Même si ça prendrait une éternité, que ça prenne. Qu'est-ce que c'est que ça? Respectez-vous, Izu. Maman, respectez-vous. Je suis pas d'accord. Izu. Mon mari. Maman, je ne sais pas. Tu es belle, ma fille. Tu es belle. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi. Que je m'assoie. Il ne va pas me taper. Non, t'inquiète pas. Il va revenir. T'inquiète. Assieds-toi, il va revenir. Izu. Tu peux continuer à faire ça. Attends, je veux quelque chose ici.
Attends. Oui. Es-tu sûr? Oui. En tout cas, je te jure. Ah ah. Agatha. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as cette tête? Je vais vous poser une question. Ok, vas-y, qu'est-ce que c'est? Vous vous êtes déjà embrassé? Avez-vous déjà commis le péché? Oh. Agatha, pourquoi des questions inutiles comme ça? Ce n'est pas inutile. Oh. Parce que mon père voit tout. Il sait voir si jamais quelqu'un commet le péché. Arrête avec ça, s'il te plaît. Arrête de m'embarrasser avec mon chéri. S'il te plaît. Je ne suis pas en train de vous embarrasser. Oh. Je ne le fais pas. C'est juste parce qu'il s'est interdit de s'embrasser avant le mariage. Agatha, arrête. Arrête, oh. Il sait de quoi je parle. Victor, tu le sais, non? Chica, c'est bon. Je comprends ce qu'elle veut dire. Et d'ailleurs, en fait, elle n'a pas tort. Tu sais, je suis un homme de principe et je sais quoi faire au bon moment. Je le savais. Père, merci de manifester ta parole ici. Je savais que cet homme était bon pour ma sœur. Que Dieu te bénisse, frère Victor. Tu sais ce que j'essaie de dire, c'est que... C'est ce genre d'amitié et c'est ce qu'on appelle l'amitié à distance. C'est ce que je veux que vous puissiez pratiquer. C'est comme coronavirus. Tu sais, coronavirus, c'est quand vous vous mettez ensemble comme ça, tu es contaminé. Si vous êtes trop proche, même quand vous êtes assis, il faut être loin de lui. De même que votre relation soit distanciée. Agatha, merci. Tu peux maintenant partir. Je n'ai pas encore fini. Tu peux même me demander de partir parce que je lui parle. Vous avez besoin d'être distant. Oui, je comprends. Il doit demander l'accès. Il doit venir voir maman et puis t'épouser. Tu sais, la distance dans une relation, c'est juste pour vous aider. Alors, comme vous voulez faire ce qui est juste, moi également, je veux vous parler de l'abstinence. Dans les cadres spirituels... Non. Essaie un peu de voir le vocabulaire. Oh, c'est de la même façon. C'est juste question de prononciation. Les cadres spirituels, cadres ou quoi, c'est la même chose. Donc, maintenant que vous allez pratiquer cette abstinence et que tu te prépares pour l'épouser, et quand tu viendras l'épouser... Je vais maintenant te délivrer parce que dans toi, il y a plusieurs démons. Tu as besoin de la délivrance. Tu es vraiment pourri, rempli de beaucoup de démons. C'est pourquoi l'ennemi te fait tous ces chantages. Quand je finirai, oui, tu seras blanc comme les squelettes. Agatha, tu sais que je continue toujours à te demander. Comment sais-tu que j'étais à la recherche d'une femme? Tout ça, c'est Dieu. Dieu me l'a révélé avant même que ça arrive. Dieu avait vu que tu avais besoin d'une femme et j'avais une bonne femme pour toi. La voilà. Alors, vous devez mettre la distance dans cette relation, ok? Écoute, allez, est-ce bouge. Que c'est ce que tu dois faire? Tu dois mettre en pratique tout ce que Dieu t'a dit, ok? Allez, bouge. Agatha, arrête, non? Chica, vous devez respecter ça. Hein? C'est quoi ça? Arrête! Tu sais ce que le Saint-Esprit dit est toujours bon. Mon Dieu a dit, même tout ce que tu vois là, hein, tout ceci finira par partir. Quand je vais finir de te faire la délivrance, tu iras bien. Et tout ce qui te concerne sera très sain. Agatha, allez, va à l'intérieur. Agatha, vas-y. Agatha, vas-y. Attends, Agatha, vas-y. Te présenter. Oh, je vais juste te présenter. Sois calme, laisse-moi finir. Écoute, ne la suis pas, hein? Fais ce que je te dis, un peu trop de distance, hein? Je vais revenir de temps en temps pour vous voir, hein? Hey, Agatha est tellement amusante. Ah, mais comment peut-elle dire tout ça? Tu me demandes? Mais hey, tu l'écoutais, non? Toi, allez, va là-bas, fais ce qu'elle te dit. Non, allez, pousse là-bas. Va là-bas. La Bible nous dit... Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras. Agatha, la gloire de Dieu. Agatha, tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, tu médites? Oui, je prépare mon message de demain. Ah, ok, Dieu sera avec toi. Amen. Tu te rappelles du passage biblique que tu m'avais donné il y a quelques jours concernant mon mariage et Victor? Oui, mais tu l'avais rejeté. Non, j'en ai besoin, s'il te plaît. Puis-je en avoir? Tu sais, c'est comme on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Alors, c'est difficile quand tu crois. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu ça. Voilà ce que vous pensez. Voilà maintenant pourquoi, quand je te disais que ton moment de miracle est arrivé, toi,
Tu ne voulais pas me croire. Tu me faisais ta grosse tête. Et maintenant, tu viens ici pour me demander les passages publics. Jamais. Je te crois. Veux-tu qu'on prie ensemble à propos de ça? Non, ne t'inquiète pas. Juste donne-moi. J'irai dans ma chambre, je vais prier. Ok, je vais chercher à te trouver ces passages bibliques. Mais tu ne me croyais pas avant. Agatha, ma prophétesse! Attends, je vais bien le dire. Agatha, ma prophétesse! Quand tu dis ça, le Saint-Esprit descend. Agatha, c'est désormais toi, ma tu prophétesse. Tu m'avais dit que tu aimes chanter. Ah ah! Agatha, ma prophétesse. Agatha, ma prophétesse. Agatha, ma prophétesse. Agatha, ma prophétesse. Maman, la raison pour laquelle je suis venue, c'est que... C'est pour te dire que Chika et moi sommes mis d'accord de se marier. Oui. Chika, c'est vrai? Hey! Merci Seigneur. Maintenant là, tu as parlé. C'est ce que je voulais entendre. Je suis contente. Maman, je veux que toutes les choses commencent immédiatement. Afin que dans peu de temps déjà, vous arrivez à nous appeler mari et femme. Est-ce que vous comprenez? Oh mon Dieu, c'est pas comme ça. Juste comme ça, maman. Ça c'est bien. Mais si c'est de cette façon-là, je pourrais maintenant informer le membre de ma exactement. Famille. Hey, vous deux, vous m'avez rendue heureuse. Hey. Maman, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de mariage à distance. C'est ça. Bon, approche-toi. Fais vite. Que personne vienne me dire des choses. À... Non, je ne veux pas dire ça. Écris Tu mets OK. Aïe, comment ça? Chika Lolo Owaku. Maman, je peux pas l'inviter dans mon mariage. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi non? Ce n'est pas toi qui m'as dit d'inviter le parent de Oge. Quand on était venu l'épouser, elle t'avait invité. Ah, Chika. Maintenant, je comprends le pourquoi. Hein? Juste parce qu'ils ont marié leur fille il y a plusieurs années passées. Chika, tu n'as pas l'esprit de pardonner. On doit te délivrer et purifier. Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je sais, elle ne viendra pas à mon mariage. Comment ça? De toutes les façons, je veux les inviter. Comme ça, quand ils viendront, laisse-moi te voir comment tu iras les chasser. Je ne mettrai pas son nom sur cette liste. Son nom sur cette liste, impossible. Mba, je ne vais pas l'écrire. C'est quoi réellement ton problème? C'est quoi ton problème? Hein? C'est pas grave. Ils viendront. Maman, c'est ton mariage? C'est ta maison. Je ne vais pas l'inviter. Ils viendront. Oh, je vois que nous avons de la visite aujourd'hui. Hein. Mon mari, bien arrivé. Mon quoi? Bienvenue. Marie, tu es normale? Je ne veux plus entendre cette bêtise. Tu es mon mari. Tais-toi! Et qui est ton mari? Je sais que tu es mon mari. Ah. Izu, qu'est-ce qu'il y a? Tu es de retour. Maman? Et tu as embauché une servante ou quoi? Oui, c'est la fille dont je t'avais parlé. Tu l'as amenée pour que je l'épouse. Maman, arrête ces bêtises. Et je n'apprécie pas ce que tu es en train de faire ces derniers temps. Ne les répète plus jamais prochainement. Et si tu ne veux pas que je puisse déflorer cette fille maintenant, fais-la. C'est quoi quel genre de bêtises comme ça? Tu l'aimes pas? De quoi vous Regarde-la parlez? Regarde-la bien. Tourne-toi. Regarde derrière. C'est quoi le problème? Maman. Elle est bien. Maman, ne jouez pas avec ce genre de choses, oh. Je ne vais pas tolérer cela. Ramène-la où tu l'avais prise, oh. Qu'elle parte d'ici maintenant. Izu, c'est maman, quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que tu m'avais dit que ton fils Réserve va Réserve-toi de dire des bêtises à mon nom. Oui, attends. Izu! Maman, je suis fatiguée. Izu, attends-moi, Izu! Je ne veux plus Izu. Me marier comme ça. Non, Izu, maman, je suis fatiguée. Je m'en vais, je suis fatiguée.